No. de Phil, je rappelle que Phil est en France, on l'aime beaucoup, il va revenir. À la de Phil, j'ai je pense la remplaçante parfaite pour Phil parce que j'ai quelqu'un qui aime pas faire de podcast mmh. et qui est arabe comme Phil. Phil, a, il fait les podcasts Il y a il, ça. Il est tellement bon je moi. Je sais je sais Mais à chaque à chaque, à chaque fois hey, on fait toujours deux prises! »« un autre. <laughs> euh, oui Phil, <laughs> un autre. Donc <laughs> moi c'est mon meilleur podcast, c'est mon podcast favori de toi. C'est très gentil. Vous êtes incroyable, vous êtes tellement cute, votre bromance c'est adorable. Mais tout le monde a l'air de, comme, victimiser Phil dans les commentaires, non? comme il pense que voulu. toi, t'es comme ouais. un problématique, ouais. puis lui, c'est un ange. Oui. C'est-tu ça, la réalité de votre dynamique? Non. Okay. Parce qu'il faut, faut jamais oublier, Phil mesure 6 pieds 2. Ouais. Phil est très musclé. Ouais. Et Phil, volontairement, vient au studio. Je veux pas chez <laughs> eux le kidnapper <synapique rire> avec des cordes, le mettre là en disant « parle <laughs> de Leonardo DiCaprio <laughs> pendant 3 heures ». Il fait ça volontairement. C'est volontairement. son, son, sujet, préféré, son ouais. sujet préféré. C'est son sujet préféré. Et euh, il, il, est, lui, il est algérien, selon lui. Qu'est-ce qu que son... ça veut dire? <laughs> ça. Oh, on peut choisir notre nationalité, maintenant? On peut faire ce qu'on veut. OK. Fait que pour... Comme, comment... Son un, père... pourquoi il a choisi euh, Son père a euh, grandi en Algérie. Ah. Mais c'est un blanc qui s'est fait mettre d'or de l'Algérie. <laughs> <laughs> que... Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, euh, les pieds noirs. À une époque, l'Algérie, était... il y avait beaucoup, beaucoup de Français là-bas. Okay. Les Algériens ont fait, les Français, ça va faire. Ben... Continue, Et euh, le père ce que j'ai compris le mmh. père a Phil es là dedans mmh. alors Phil est euh, es Algérien il n'est jamais retourné en Algérie je pense il veut vraiment euh, il est allé au Maroc par contre il a vu l'Algérie ça fait beaucoup bouger beaucoup, ça le touche beaucoup mmh. il a pas... mais est-ce qu'il est né en Algérie son il, est né au, il est né à il est né au Québec fait qu'il n'est pas Algérien non <laughs> non. non ah je voulais juste spécifier non. parce que ça avait de l'air c'était comme si il est... mais il, non d'où, tu penses qu'il est, qu ouais. est Ouais. Okay. Repentinier. Mm -hmm. <laughs> un gars de repas. Okay. Yeah. Mais toi, tu, tu viens du Sud. Sud? Oui. Tu viens du Sud, mais il y a une y a dans, dans le Sud. Ah, oh, ok. Non, oh, non, je pensais pas... <laughs> qu'on qu parlait non, de nos origines. Non non non, okay. non, 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 non. <laughs> Oui, je reviens du Sud, oui. Je suis allée dans un pays communiste. Ouais? Ouais. C'était <laughs> à, à Cuba? <laughs> oui, j'étais allée à Cuba. Euh, C'était comment communiste? C'était vraiment cool pour quand tu n'habites pas là. <rire> <rire> C'était nice, il y avait des belles plats. C'était cool. Non, honnêtement, je suis allée seule. Puis une des choses que j'ai préférées de mon voyage, c'était vraiment les conversations avec les Cubains. Puis j'ai trouvé que malgré la situation, moi, la fille est dans un tout inclus, puis eux, les gens qui travaillent pour les gens qui vont dans un tout inclus, j'ai trouvé que je suis tombée sur du monde vraiment fucking smart, puis vraiment ouvert, qui voulait absolument, comme, ouais! « real talky », puis peut-être qu'il sentait qu'il y avait comme l'opportunité de le faire, ou oh, I don't know, mais j'ai eu des très, très bonnes conversations, touchantes, comme tristes, mais vraiment enrichissantes puis vraiment intéressantes. Pis... De quoi tu vous faisais jaser? Euh, ben, juste comme la réalité, tu sais, la réalité de juste pas être capable de partir du pays, à moins que... Ils m'ont mis vraiment toutes les conditions si je n'étais pas au courant de, des spécifications. Mais comme, tu sais, il faut que tu aies une maison à ton nom, il faut que tu aies minimum 3 000 dans ton compte de banque, c'est pas en moyenne 20 par mois. Ce qui est très long à Oui, c'est très long. Après ça, il faut se remplir toutes les papes. T'sais, il y a plein, plein de choses. Il faut que tu aies une très bonne raison de revenir. faut que ça soit comme clair que tu vas revenir wow. parce a qu insinuent que tu vas juste quitter. Ils ou si il ben, ils savent? ben ils là, savent. je sais. Puis, euh, c'est ça. Tu... Il y a quelqu'un qui m'a parlé qui avait même une lettre, de... vraiment comme c'était officielle, d'une école, etc. Euh, il a rempli toute la paperwork puis euh, paperwork, puis il s'est fait refuser puis ça faisait trois mois fait qu'il était encore comme endeuillé de ça puis oh tu sais c'est tellement des longues démarches puis c'est juste un peu ouais c'est capoté de, de penser à ça de comme c'est la réalité de comme énormément de gens là, dans le monde je veux pas devenir lourde T'es emprisonné dans ton pays. En, en Russie, ça n'a pas l'air mieux. Là, non, quitter, non, non. Puis, Je pense pas que tu peux juste rentrer puis quitter facilement. Là. Ben, ils ont quitté pour aller à Cuba parce qu'il y en avait en temps Oh, il y a des Russes! <laughs> il y avait tellement de Russes. OK, c'est comment Mais qu... Cuba, c'est genre des Russes. Là. Cuba, c'est. Mais moi, je savais pas, mais tout le monde me le disait ah, Tu vas voir, il y a tellement de Russes, il y a tellement de Russes. Puis t'arrives, puis c'est des Kebs puis des Russes. No joke, il n'y a personne d'autre. Ah, oh, il y a peut-être <laughs> comme une coupe d'Ontariens. Je pas aller souvent au Costco. Ouais. Mais les rares fois que je suis allé au Costco, ce qui est particulier d'aller au Costco, c'est ouais. qu'il faut, faut pas que ça soit la seule idée que tu te fais d'un peuple. Parce que, mettons, quand tu vois des Polonais au Costco, c'est ouais. pas les meilleurs Polonais. Quand tu vois qu des. Qu'est-ce que tu veux dire Personne n'est à... A... à son meilleur au personne. Costco. Personne. Personne. Personne n'est à son tour. Honnêtement, je, je, pense, je, pense, je pense fondamentalement le contraire parce que c'est comme le meilleur endroit. Je trouve que monde. le meilleur endroit, c'est le Costco. <laughs> J'aurais jamais cru ça. Aller au Costco. Wow. Je suis arabe. J'adore <laughs> les gratuités. Man. Yo, Il y a tellement de gratuités. <laughs> toi, tu pas ton meilleur au Costco, ça veut dire. <laughs> moi, je suis à mon, mon best parce <laughs> que mes Arabes, ils sentent comme détendu quand on leur donne gratuitement des <laughs> choses comme, genre, tu cherches la meilleure dire, pas besoin, je te l'offre, genre, même pas besoin de payer, comme, of course, à mon best, of course. Mais pourquoi tu détestes le Costco et ses citoyens? Comment dire? Euh, personne qui savait je suis mal placé pour parler, je suis mal placé pour parler, mais il y a personne qui est sur son 31 au Costco, le néant okay. est épouvantable, au ah, Costco, ouais. ce qu'on achète au Costco, c'est tout le temps gênant par en quantité gênante. Oh ouais, au Costco, comme quoi Qu'est-ce qui est gênant La seule chose que j'aime au Costco, ouais. c'est les employés, parce que c'est les, les employés qui sont le mieux payés. Ils sont tellement bien traités. Ouais. eux, leur manière, on veut pas de ouais. syndicat. Comme on n'aura pas de syndicat, c'est ouais. pas faisant des trucs anti-syndicalistes. Anti ouais. On va tellement donner des bonnes conditions ouais. que à quoi bon ouais. créer une non, union C'est bonnes Incroyable, conditions. le Costco, ouais. là. Très bonnes conditions de travail. Qui fait que t'aimes pas les lions, mais c'est parce que ça je veux dire ils ne pourraient pas rendre ça Charlie L'idée, c'est un factory. C'est un entrepôt. Je comprends. Puis les gens veulent tellement rester longtemps parce que c'est un paradis, on va se le dire. Je que si tu mettais des lumières douces et chaudes, un blanc chaud, les gens partiraient jamais. <laughs> c'est comme ça. T'as raison. Ben, raison. Okay, c'est tellement veut... extraordinaire qu'il faut mettre une petite épine pour que le. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends les... ce que tu veux dire. Je sais pas si t'es au courant de l'inflation au niveau des poulets barbecue, mais comme au Costco, tu peux. <laughs> non mais c'est là. Oui, oui. Mais comme au Costco, c'est 6,99$. Puis je suis pas à l'aise. Moi, je suis végétarienne, puis je oui. pense pas qu'un poulet ça devrait je comprends. valoir 6,99$ au prix coûtant. Je comprends. Ça, ça veut dire que le, cou... le poulet, sa vie, là, elle vaut genre. Cinquantième. C'est pas grand chose. vraiment triste. Mais tu veux dire? Mais que... tu veux dire. Ouais. Mais c'est 6,99. Fait comme, puis mettons au IGA, c'est rendu genre 12,99. Moi, je sais parce que j'en achète pour mon chien. puis je. Dis, wow, t'es la meilleure maîtresse Mais de chien. Et j'en mets un peu dedans. La bouche achètes sèche, dégueulasse. Pouf... <laughs> T'achètes du poulet pour ton chien. C'est ben, extraordinaire. C'est une vieille madame de 12 ans. Je sais. Sa seule joie de vivre, c'est manger. à la journée, je sais. Je, faut... pas, je sais pas. Que... Non, c'est génial. Faut... Ben, faut. Faut. C'est mon ami. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec ça. C'est correct. C'est pas tout le monde qui voit. Moi, c'est une raison pourquoi j'ai pas... C'est pas tout le monde. Moi, j'ai pas de chien. Moi, pour moi, c'est un toutou. Mais c'est pas un toutou. Il mérite pas ça. Aucun chien ne mérite. Aucun chien ou aucun chat ne mérite. Non. Fait que je peux pas... Mais dans ce sens, est-ce que tu vois tous les animaux comme juste des... comme bibelots à ton existence? C'est pour ça que je peux pas en avoir. Il aucune, aucune valeur. Aucune. Ai... Arrête, Thomas, dis moi, dis-moi pas ça, mais ça je pense, me fait d'appel. Mais, mais j'en ai pas. T'es spéciste, ça veut dire. Exactement. Alors, je protège les animaux. Mais ça, c'est. Je respecte, je respecte, je respecte. Mais. il y a pas des gens qui. Y a, y a bien des animaux, qui... là, tu trouves, qui ont comme pas vraiment. Genre, tu lutterais à un, à un oiseau en char ou un renard ou un cerf. C'est comme calisse, c'était des figurants dans ma vie. Je dirais jamais genre boum boum, je calisse, c'était des figurants <laughs> dans ma vie. Je ferais jamais ça, mais je serais pas bouleversé. Oh. Et bonne nouvelle, même pas bon, un peu. Mais c'est tu quoi? Je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Okay. J'ai jamais tué personne en char. Okay. Ni, ni un être humain, ni, ni ben aucune cool. créature vivante. c'est cool. Aucune créature vivante. Fait tu sais pas comment tu réagirais. Ouais. Mais quand t'en vois sur le banc de la route, ouais. des marmottes, des renards. C'est horrible ce que je veux dire. Pour, ça me oh fait plus de peine quand je vois des cochonneries que quand je vois des. Euh... C'est-tu vrai, Thomas? Ouais. Ouais. Mais pourquoi tu penses que tu as une déconnexion? Parce que j'ai une déconnexion. J'en ai, ai jamais eu dans ma vie. Fait que j'ai oh, une okay. okay, Je suis né pas. en ville. J'ai jamais eu de chat? Hein? Jamais eu de chat. Je suis né en ville. Je suis allergique. J'en ai quasiment. Ah, tu es allergique à quoi? À tout. Ça. Mais, tu sais, à Gatineau, okay, j'ai fait du cheval. Okay, je commence à comprendre. Voilà. Fait que oui. des... je sens qu'il ne m'aime pas. Je comprends. Mais peut-être plus une affaire de génétique. Mais okay. Non, je pense qu'ils ils ont, ils ont, ont tout fait exprès. Okay. Ils se sont mis ensemble. Qui ça Toutes Tous les, les animaux. animaux. <laughs> tous les animaux, ils ont fait une, <laughs> une table ronde. <laughs> un chat, un chien, un cheval. Ils se sont dit le vac, on le file pas. Qu'est-ce qu'on fait On s'arrange pour qu'ils tous qu'on soit, qu'on est là. Depuis ce temps-là, je suis comme ça. Hmm. Fait que je me dis vous m'aimez pas ouais. Moi, je garde mes distances. Mais une fois, j'ai fait du cheval à Gatineau. J'ai flatté le cheval. J'ai donné des bisous au cheval. Puis après, t'avais la face enflée. Fait. Ouais, pendant trois pas semaines. Vrai, Thomas! Pendant trois semaines. Trois semaines. Un cheval. Trois, un cheval. Personne n'était accroché qu'au cheval. J'ai jamais je, entendu parler de ça de ma vie. Je l'étais. Je te jure. Hmm. Tu es un gars de ville qui n'est pas fait pour les animaux. C'est tellement intéressant. Fait que tous les poils de les tous poils. les animaux. Ouais. ouais. Je suis sûr que les ours, je pourrais pas. Si maintenant, je pouvais caresser un ours, il se laissait faire la idéalement, tu ne caresses pas un ours. Là. Pourquoi pas, ça l'a l'air fun? Ben, non. Il ne faut pas caresser un ours. C'est vraiment dangereux. J'ai une tribune, puis je vais l'utiliser. <laughs> Il y a des ours près de chez vous. Non! Va vers l'ours. Il est correct. Est-ce que est tu connais vrai. les règles par rapport à ours? C'est de la propagande. Non. Connais-tu <laughs> les règles par rapport aux ours? Rien. Parce que je suis né dans Rosemont, petite patrie. Okay. On n'en voit pas beaucoup. Je par contre, pas. je connais toutes les règles par rapport aux pédophiles d'un parc. Ça. Aux pédophiles l'impact. Très, très, des parcs. Qui l'impact? Ah, oh, des parcs. Les, oh, des très, très jeune. Ah, on, 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 quoi? on se faisait coacher. Ah, OK, dis-moi. Qu'est-ce qu'on qu fait? Tu cries. OK. Puis il s'en va. Mais les ours, c'est comme différentes couleurs, il y a des différentes réactions qu'il faut faire. Mais quoi? live, je veux pas nécessairement le dire parce que j'ai peur de me tromper. Oui Mais c'est de... les... mais je sais... Ouais, vas-y. C'est un podcast, fait qu'on fait comme Joe Rogan, on dit des informations pas claires. C'est que je pense que noir... J'ai peur que ça soit tout à l'envers. Mais je pense que... Faudrait qu'il y ait qu un check en même temps. Check again. Grizzly, je pense que tu pries pour ta vie. Est-ce que c'est des rimes, genre? Okay, Grizzly, mais c'est en anglais, mais là, je viens de le traduire. C'est ah, génial. <laughs> Grizzly, tu pries pour ta vie. Parce, dans le sens, bonne chance. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose que tu faire. Après ça, je ne veux pas mélanger entre le brun et le noir, mais il y en a un qu'il faut que tu t'immobilises, puis tu te couches à terre, il faut que es juste, tu sois comme absent, zéro une menace, puis que tu disparaisse le plus mm -hmm. possible. Puis l'autre, il faut que tu t'agrandisses, puis tu cries, puis tu fais... Wah, wah, wah faut que tu t'agrandisses, mais je ne sais pas quel est quel. Mon feeling, c'est que brun, faut que tu te couches, puis noir, faut que tu t'agrandisses. Mm -hmm. Mais je ne veux pas que personne meure. Hors polaire, que... on qu fait quoi? Hors euh, polaire, oh non, excuse, c'est ça, Grizzly, c'est un des deux, c'est brun et Grizzly, ça m'a fait... Excuse, puis c'est blanc, pris pour ta vie. parce wow. Ça, il n'y a rien à faire. Il a rien à faire, C'est ça. Oh, ok, ouais. c'est ça. Merci de l'avoir dit parce que j'avais obligé Les horse polaires, euh, c'est pires. C'est Ouais, c'est ah! comme des, 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 des fous. Waouh, ben. Ben, ben, ben ils ont faim, Ils ont il a plus rien. Je comprends. C'est pas cool, là, leurs conditions. C'est vraiment pas Yo, cool. honnêtement, c'est un cauchemar pour eux autres, live. En tout cas. Mais, fait que ça, mettons, les animaux, tu sais, les feux en Australie, comme les, la forêt amazonienne, toutes les espèces mm -hmm. qu'on est en train de perdre. Tu sais, mettons, toi, quand tu penses à ça, est-ce que. T'sais, ça te fait -tu de la peine? Ou me pas, de la... Ça me fait de la peine, comment dire? Moi, les animaux, je les laisse tranquilles. Comme mais... vous êtes. C'est comme vous êtes dans deux mondes. Ouais! OK. De la... Il y a de la ségrégation entre moi et les animaux. Ils font <laughs> leurs propres affaires, je oh, fais mes propres non. affaires. Okay. Mais ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Mm -hmm. En tant que euh, race supérieure sur la Terre. Oh. Mais on est de la race. Tu n'es pas, pas d'accord? Mais tu n'es pas d'accord? Non. Moi, je suis vraiment un... J'adore parce que je t'aime tellement, Thomas, mais est... on est quand même. Là, euh, si on parle de l'autre fois qu'on était dans le village, puis on était on au bord, puis là, on parlait des affaires, puis ça m'a fait très parce que je réalise, peut-être en vieillissant, je me dévoile plus, puis je réalise que j'ai quand même des valeurs comme euh, alternatives mm -hmm. hein, à Et certains niveaux. Mm -hmm. Mais c'est vrai par rapport aux animaux, je suis très, très sensible aux animaux, très, très sensible. Mon premier graffiti, quand j'avais 13 ans, euh, c'était un graffiti sur le Kentucky, Agatino sur Agrabah. <laughs> Ok. Puis c'était un poulet déformé avec genre une patte dans la tête. Puis c'était écrit Miam, du bon poulet aux hormones. Je respecte tout de ta démarche. Je respecte tout de puis ta démarche. Tout, 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 tout de ta démarche. Yo, c'est tellement triste parce que mon frère il était chef de corps là-bas. <laughs> puis il est en tabarnette. Parce que c'était toi, parce qu'il reconnaît des ouais. dessins? Non, il savait. Ben non, c'était comme mon premier dessin. C'était mon premier vrai. J'étais allée au Canadian Tire, j'ai acheté du spray paint. J'avais jamais fait ça. Tu vu un appel? J'étais. J'ai su. Ton premier dessin est vu quelque chose. Je me souviens plus c'était quoi, mais j'ai pris connaissance de comment ça se passait dans les, dans les méga porcheries, mm -hmm. puis dans le... Juste le système industriel de l'élevage animalier. Puis ça m'a traumatisée. C'est mm -hmm. comme je ne le savais pas avant. Je ne savais pas comment ça se passait. Puis là, genre 12, 13 ans, j'ai appris puis j'étais Il y a quelque chose qui a brisé mm -hmm. là, dans mon cerveau wow. puis il fallait puis c'est ça puis dans le reportage que j'avais vu c'était euh, comme les usines qui font ça au Kentucky fait que j'avais mm -hmm. puis tu sais ils en achètent là des poulets là ouais beaucoup moins que le Costco non, en tout cas là tu vois je me contredit parce on que se contredit, pensais... mais c'est non mais c'est parce que c'est pas mon chien être... c'est pas pour moi elle con... carnivore être, cons... être conséquent ouais. à 100% bonne chance ben je vous ai dit non mais ça se peut pas non, non seulement ça mais se peut pour pas. Manger, ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait puis euh, il, Et semble, les il, il semblerait que ouais. les diètes Hey, ça aussi vous prirez de moi c'est faux. Quoi? Les diètes <laughs> diè <laughs> végétariennes pour les animaux c'est pas la meilleure affaire. Mais non, mais c'est pas des végétariens. C'est des carnivores. Tu peux pas être végétarien quand des carnivores. Et là où je veux revenir euh, ma position par rapport euh, quand tu euh, ouais. quand il y a des feux en Amazonie et quand il y, y a des espèces animales ah, qui oui, crèvent. Ouais. en tant que respiration quand je parle de respiration je parle de l'être humain je, je, mais je finis ma pensée même okay, si tu es pas d'accord mais est-ce est que tu reconnais oui ou non qu'on est supérieur juste parce qu'on aime voir tes armes parce que si on n'avait pas d'armes, on ne serait pas super. Oh, des outils, tout, ben, juste des, des outils, c'est tout. Juste qu'on est des pouces, on ouais. est capable de prendre des affaires. Ben, il y en, en a d'autres qui ont des pouces. Mais nous, on a développé comme des armes. Ils ont si, des pousses, Sinon, on ne serait pas la race super. Il n'y a aucun, aucun, aucun sèche avec des podcasts aussi. On ne construit pas juste des armes. Il ben, y en a, a <laughs> il Des Ils ont des faces d'humains. Mais continuez, continuez. <laughs> <laughs> continue, continue. OK. Fait que Quand tu es, es au sommet, ça ne veut pas dire que tu dois écraser les autres. Ça fait ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Quand tu es fort, tu es censé protéger les autres. Right. Qu'on ne protège pas la faune, qu'on ne protège pas la flore, ça me en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Mm. Quand ouais. La force, ça ne se démontre pas pour à quel point tu peux écraser les autres. La force, ça se démontre à quel point tu peux aider les autres. Exact. Ça me fait de la peine. Le système, c'est pas mal tout le contraire là, en ce moment. Je comprends. Mais même par rapport à juste la bouffe qu'on mange, là, par exemple. Vas-y, je ne connais rien là-dessus. Ben non, mais je veux dire, euh, tu as déjà vu des images dans, de comment... T'sais... On n'en les porcs, mettons, là? Ben, juste la bouffe. Mm -hmm. En fait, pas juste la viande, mais juste la bouffe en général. Là. Mais mettons qu'on parle juste de la viande, les conditions dans lesquelles ils sont élevés. Mm -hmm. ça... C'est l'enfer. Ben, c'est un enfer. c'est si tu l'enfer, c'est l'enfer. Pour moi, c'est vivre comme une poule dans un poulailler oui, industriel. C'est dégueulasse. Ouais. Puis ils grossissent tellement vite parce qu'ils sont beaucoup médicamentés. Puis nous, d'ailleurs, on mange ces animaux-là après. Ben, on... Dans le cancer, puis mm -hmm. d'autres affaires. Mais, je veux dire, ils sont. Vu qu'on va en produire plus plus, 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 mais on les fait grossir rapidement, ils tiennent pas debout quasiment, leurs os sont tellement frais. Je veux dire, c'est horrifiant. Comme le lait, c'est mon sujet préféré. Je t'écoute. Est-ce que tu sais comment le lait s'est produit dans une société industrielle? Je là? suis tout oui. OK. Mais, en gros, tu as comme une vache laitière qui va être utilisée comme longtemps, on repeat un peu, là. Puis pour produire du il faut que tu Fait qu'en gros, sa vie, c'est juste d'enfanter à répétition. On y enlève le bébé à une seconde, dès, qu à, dès qu à, à, la à, à la couche. Elle braille sa vie pendant, genre, je sais pas combien de temps. Comme démoli, On y arrache son enfant pour juste continuer à la traire. Puis après ça, on va l'inséminer artificiellement pour qu'elle retombe enceinte pour qu'elle reste toujours une vache laitière, jusqu'à temps qu'elle ne serve plus, puis on va là-bas. Puis elle est, genre, pognée dans un mini-enclos sans bouger, à se faire traire, puis à, genre, perdre des enfants, brailler le deuil de ses enfants, genre, à répéter ça même. Pour que nous, on puisse boire du lait maternel mm -hmm. d'un autre animal, What? ça ne fait aucun Je... fucking sens. C'est pas normal. Comment la vache ouais. est traitée, si c'est vrai, j'ai aucun contre-argument, c'est horrible. Mm -hmm. Le but, boire du lait d'un autre animal », ça n'a pas ouais. de sens. Je veux dire, il y a, on a quand même évolué, on est, on, il y a plein de choses qu'on fait que les autres animaux ne font pas. 100%. Puis... Mais pourquoi on ferait ça, mettons logiquement? Pensez, tu sais, comme pourquoi on boirait le lait maternel d'un autre animal? Mis à part qu'on est capable, mis à part qu'on est plus puissant, qu'on est capable de, de, right. de le faire, aucun. Mais comme… C'est qu'il y a beaucoup de mauvais côtés. Puis il y a un livre qui s'appelle The China Study qui est vraiment intéressant. Puis c'est juste une étude qui a été faite sur plusieurs années, je pense une cinquantaine d'années, je ne me trompe pas. Puis c'est sur le cancer du sein. Puis en gros, c'est que dans les, les pays où ils ne consomment pas de produits laitiers, par exemple, la Chine, c'est comme très, très peu. Les pays, euh, certains pays asiatiques où ils ne consomment quasiment pas de produits laitiers, il n'y a juste pas de cancer du sein. Comme il n'y en a pas tant. Mmh. Puis ici, en Amérique, mais les femmes sont extrêmement à risque. Là. Mais tu sais, nous autres, on a été élevés genre, avec un bol de macaroni, puis un verre de lait à mmh. chaque soir. C'est comme... ce lait-là, le lait maternel, tu sais, tout as, as un enfant, mmh. c'est tellement puissant du lait maternel, c'est ouais. tellement boosté en hormones, c'est pour te faire genre, grandir comme de manière. On parle du euh... lait de la mer, On parle du lait de la mer, mmh. ouais, oui, exact. C'est comme pas normal qu'on qu'on consomme autant d'hormones de croissance, puis il y a juste plein plein de d'études qui ont été faites sur le, c'est juste anormal. Nous on était comme c'est devenu banal, mm -hmm. mais c'est des gros lobbies, des gros lobbies parce qu'on est on est, c'est ça, ça ça, fait partie de notre économie là, comme mm -hmm. l'agriculture puis le, lait, mais quand tu y penses ça aide être deux pour demander pourquoi est-ce qu'on boit le lait maternel d'un autre animal, surtout maintenant qu'on a plein d'alternatives comme du lait d'amande ou du lait de soya, ou du lait de puis c'est pas du lait, mais comme de la boisson d'amande ou d'avoine ou whatever. C'est comme, il y a tellement d'animaux qui souffrent pour rien. Puis en plus, ça nous cause des graves effets de santé. Je vois juste pas l'intérêt. Comme en 2024, tu sais, justement, on est, on est comme ailleurs. On n'a on, on plus besoin. Tu sais, c'est comme la viande, mettons. Tu sais, on est, on est omnivore mm -hmm. Techniquement, je devrais manger de la viande, mais, mais on est dans une société où il y a tellement d'options. J'ai pas besoin d'en manger. Fait que si je veux pas j'ai je pas l'appétit pour ça, je pourquoi connais... j'en mangerais, tiens? Tu sais? Parce qu'on a, a, a toutes les alternatives. C'est comme on est dans un pays tellement riche, on a toutes les alternatives, mais vas-y. Arrêter de manger de la viande, ouais. à long terme, c'est très difficile. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Il faut ouais. vraiment suivre cette diète. Faut vraiment... La ouais. part de mes amis qui ont arrêté de manger de la viande, ouais. après quelques années, ouais. ils, ils vont voir un médecin, ils ont des carences, puis vrai? ils se font rapidement dire Ah, oh, recommence à manger de la viande. Ouais. C'est possible d'arrêter de manger de la viande. Il faut que juste tu gères tes affaires. Ouais, il faut que tu ouais. gères tes affaires, il faut que tu aies le temps de gérer tes oui. affaires, il faut que tu aies le budget de gérer tes affaires. Oui, tu penses? Je veux dire, la viande, c'est fucking chère, non? Pas fucking. Pas non? toujours. OK. Je viens de le dire, au pou, un ouais. Costco, un poulet. C'est <laughs> vrai. <laughs> c'est vrai. C'est vrai. C'est dans le C'est pas fucking chère. Un filet c'est ce fucking. Il ouais. y a moyen d'eux. Right. Je pense, je pense que c'est juste, I guess, une tu sais, question tu sais de la que tu, sais, tu, sais, tu sais pas ce que tu fais dans, ton oui. dans, dans ta diète, pour ouais. manger de la viande, ça aide. Ah, oh, c'est clair. C'est clair qu'on <coughs> n'a pas été élevé avec ces connaissances-là. On n'a pas été élevé, on n'a aucune connaissance en nutrition. J'en je ai aucune. Puis on devrait, là, à l'école, tu sais, je veux dire, la seule affaire qu'on a, c'est la table, euh, le, le guide alimentaire canadien qui est, ben, mais d'après moi, vu qu'il est comme du lait, fait, oh, oh, comme, aucun oh, oh, sens. Je sais qu'il y a une ouais. pièce de théâtre que j'ai pas vue, malheureusement. Ouais. C'est du ce théâtre documentaire, ça s'appelle Run de lait. Fait que si vous voulez. Ah, ça me dit quoi, ça? Si hein, vous voulez voir une pas... pièce ouais. par rapport ça, Run de lait. théâtre? Ah, oui. OK. Juste, moi, j'adore J'ai vu une pièce de théâtre documentaire, le J'aime Hydro. Oh, Il ouais. parle de lait pendant euh, une heure et demie, deux ben, heures. Nice. Fait qu'on les salue. C'est vraiment de lait. <laughs> c'est dans votre coin. Allez voir. Parce que je pense que de... ça va nous tourner. j'ai essayé d'être végétarien? Moi, jamais. Okay. Mais c'est parce que t'aimes beaucoup la viande. tu T'aimes le goût de la viande. T'aimes la viande? Euh, je. Pour moi, c'est facile. C'est oh. vraiment une question de mon manque d'éducation et je ne cuisine pas beaucoup. Et pour moi, la viande, c'est juste facile. Je comprends. Et c'est une excuse très, très, très faible, mais c'est pour ça que je mange la ah, Il n'y a pas d'excuse. Moi, moi, je suis comme tellement pas dans le jugement. Je pense que tout le monde devrait 100% vivre la vie qu'ils choisissent, qu'ils veulent. Mais moi, moi c'est juste, j'ai perdu l'appétit, en fait. C'est vraiment juste J'ai comme perdu l'appétit. Tu as arrêté de manger de la viande quand? À 15 ans. Wow! Ouais, fait ça fait longtemps. Je n'ai pas de craving pour la viande. Fait que Je pensais plus normal quand tu dis... Ah, je pense que quand tu arrêtes plus tard. C'est sûr, à un moment donné, ça se peut que ça tente de manger genre ton steak et tout, mais à un moment donné, ça fait longtemps, j'ai comme oublié. C'était quoi? T'as fait des graffitis combien de temps? <laughs> C'est mon seul avis! vie! Ton... T'as ah, ah, fait un graffiti? Oui. oui. fait un graffiti? Oh non, j'en ai fait un autre projet chez nous moi, à un moment donné, euh, quand j'étais au CMD. C'est de mon chien. Mais il faisait tellement noir, puis je voyais rien. Puis j'ai juste fait mon chien, mais je pense pas. Pas que ça avait de l'air de... Parce qu'il faisait de moi, je voyais pas. Mm -hmm. C'était comme à l'aveugle. Euh, mais c'était mon j'ai. T'as-tu repassé devant la lumière? Je suis repassé parce que c'est un endroit illégal où tu t'as pas le droit d'être. C'est comme dans les silos dans le Vieux-Montréal mm -hmm. où genre tout le monde va là pour faire des graffitis. Puis euh, je suis pas retournée, faudrait que j'aille. Waouh! Ça, j'avais écrit de quoi aussi, je me souviens plus. Génial. étais tout seul ou? Non, j'étais avec, euh, avec un ami. J'étais à MDMA, on va faire ça. MDMA, puis après ça, on est clubber dans le Vieux-Montréal. Wow, <laughs> c'est une belle veillée. T'as tu clubé puis j même plein mais genre les mains pleines de peinture? Non, mais je suis arrivée au club. Puis c'était vraiment une genre d'affaire. Je pense c'est le fly dj. Genre d'affaire moi je club pas. Là, puis ça me tentait pas d'y aller mais mes amis voulaient y aller. Puis j'habite proche. Fait quand allais faire les graffitis, j'étais genre en Crocs. Puis j'avais oublié. Puis un moment donné, on est juste dans le sport, puis là on est en train de danser puis j'ai regardé. j'étais en comme pantoufles. Non c'était même pas des crocs, c'était comme des pantoufles. J'étais en pantoufles Tellement crampé. C'est drôle. Tout le monde a tellement de l'air beau et parfait. Puis je suis dégueulasse. Puis je viens d'aller spray painter illégalement un patrimoine. Wow! Montréalais! Puis je suis en pantoufle. <laughs> je suis un ton de marde. <laughs> mais j'étais crampée. C'était incroyable. C'était vraiment ah, cool. C'était extraordinaire. Ouais, ouais C'était nice. Ouais. T'as-tu déjà fait des graffitis? Jamais. Parce non. Parce que mes dessins sont pourris. Ben non, mais c'était pas, pas fameux, moi non plus. Dans le sens, c'est plus. T'avais. T'as quelque chose à dire? J'ai rien à dire. Non, au nombre de podcasts que j'essaie en plus, je faire des graffitis <laughs> comme Kalis, Faut que tu. <laughs> J'avoue. Faut... Ça Je m'exprime. Je pense que l'opinion de Thomas Levac <laughs> est disponible là, pour vous en plus de faire des graffitis. Ouais, T'as peut-être pas besoin d'un mur de brig, non. J'ai toujours, par contre, admiré les graffitis. Ouais? J'ai pensé à ça Si c'est nul ce que je vais dire, on passe à autre chose. On a à peu près le même âge. Est-ce que tu as observé la même chose que moi? Dans notre jeunesse, il y avait beaucoup plus de graffitis. Ouais. quand tu mettais des affiches électorales, c'était certain qu'elle était être Toutes les pubs étaient ouais. dessinées. Il y, avait, ouais. il y avait beaucoup plus de graffitis, il y en a beaucoup moins. Ouais. Mais que ça. il y a mm -hmm. plus de haine sur les réseaux sociaux. On dirait que mm. la, la haine a viré de bord. Oui, mais je pense que tu le dis. Je pense que c'est ça qui est comme. C'est juste ça, notre réalité, c'est que l'information, la publicité, est comme plus juste physique devant nous, c'est plus dans les arrêts de boss, là nécessairement, qu'on mm -hmm. se fait marteler de pub, c'est plus sur les réseaux sociaux, c'est plus là où on échange notre avis par rapport à, aux informations qu'on reçoit. Make sense, tu sais. Après, euh, après ça, je pense, c'est parce qu'il y, y a plusieurs... Il y a des tags, là, mettons, il y a comme des artistes qui font du graffiti, tu sais, il y a comme deux affaires, puis après ça, c'est ça, il y a juste... Du monde de des M du monde M -M -M qui vont comme ouais mm -hmm. des bousiller. sur la face de Manon Massé, là genre mm -hmm. ouais mode ah ben, exact mais, mais oui il y a tellement plus de haine sur les réseaux sociaux for, for sure mais... tu confortable toi, sur, sur les réseaux sociaux moi je suis bonne question confortable c'est un bon mot euh, je pense que je pense que c'est pire que jamais au niveau de l'anxiété que ça me provoque mais pas par rapport à comme ma pratique puis mon truc à moi sur les réseaux sociaux, c'est vraiment juste par rapport à l'information que je consomme. Je trouve c'est rendu trash, c'est comme si notre Instagram puis notre Facebook ressemble de plus en plus à genre Fox News comme en tout temps. Mm -hmm. Puis c'était pas ça il y a pas longtemps, puis surtout que maintenant il y a juste plus de médias nice, tu sais qu'on on peut on voit plus rien, on voit plus rien mm -hmm. qui a rapport avec les médias, fait que c'est juste Trash un il, y une, peu. il y a une loi qui est passée, c'est ça? Ouais. Au Canada, on n'a on, on on plus voit accès juste... aux nouvelles. Ouais. Non, on n'a plus accès aux nouvelles. Tu ne peux pas partager de l'information. Puis même, il y a comme une semaine, la... j'ai lu ça ce matin, il y a genre une semaine, par défaut, Instagram met ton contenu politique limité. Puis ce qui veut dire par politique, qu'on n'avait déjà plus rien, vraiment, mm -hmm. on n'avait pas d'articles de, de médias euh, euh, reconnus. le ce qui veut dire par politique, c'est n'importe quel compte qui est Engagé. Fait que, tu sais, mettons, on parlait des Gravel l'autre ouais. jour. Tu sais, je pense qu'elle Fitre, Tu sais, ils se font flaguer, là, mm -hmm. ces comptes-là. Tu sais, n'importe qui, en fait, peut-être je me ferais. Peut-être je suis flaguée aussi, tu sais. Euh, n'importe qui qui partage des informations par rapport à, comme, l'actualité ou un sujet chaud va être flagué, Puis, il faut que tu ailles le changer. Comme tu checkeras tantôt, il faut que tu ailles le changer ah. sur ton Instagram dans tes settings parce que par défaut, ils mettent que c'est limité et que oh. tu ne vois plus les comptes engagés. Ouais. C'est vraiment de plus en plus comme crasse, là, sérieusement, je trouve, là, les réseaux oh. sociaux. Ouais, c'est juste comme des... Il, on est loin des faits, mais vas-y. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Là où j'allais dire, c'est aussi... Puis je, 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 je fais de l'humour, des fois, je suis un peu coupable de ça. Ça crie beaucoup. Ouais. Je sens que ça crie beaucoup. Ouais. Mais souvent. Je, je peux comprendre ré, euh, crier pour... Dans la musique ou pour faire rire, ouais. mais crier pour... Passer ton idéologie, des fois c'est particulier. Il ouais. y a beaucoup de visages, mm -hmm. un micro de même en disant on paye pas trop d'impôts t'as peur. Puis, <laughs> ah, ouais, okay, pas. Les, les, immigrants, les immigrants, les immigrants! -hmm. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme c'est quoi les sujets que tu vois qui reviennent le plus par rapport à juste du monde en, en tabarnak hein? euh, Moi, euh, Savoir l'algorithme de l'autre personne, ça en dit tellement sur cette personne-là. C'est clair. Plein de gars qui m'expliquent comment être millionnaire en six minutes. J'ai beaucoup de ça, moi. Ben, les gars musclés, c'est stéroïdes. Ben c'est fou comment nos, nos vies sont pas pareilles. Non. Toute l'information que tu reçois à chaque jour, à chaque minute est tellement différente. C'est normal qu'on se radicalise. En tout cas, mm -hmm. ça me fascine, mais continue. Euh, beaucoup d'attention aux femmes, ils vont tout prendre. OK, fait que tu es très comme ça. Andrew Tate. T'es le cible d'Andrew hmm. Tate. Là. Pas tout à fait. Non. J'ai pas encore un pas. J'ai pas okay. encore un pas dedans. Okay. Une fois, j'ai okay. re recommencé à aller sur Facebook et là, j'ai euh, liké, je sais pas quoi. Puis ils ont dit lui, il y avait Andrew Tate. Puis là, on m'en offrait là, des gars chauves qui faut que tu un char. Puis... Ah je... <laughs> oh oui, je le sais. Je... Mais ça commence par Joe Rogan. genre Après ça, c'est genre. Parce que moi aussi, j'écoutais des podcasts de Joe Rogan dans le temps. Puis, là, à un moment donné, c'est juste comme devenu de plus en plus problématique. Puis, là, euh, ça me tentait plus pantoute. Mais, tu sais, c'est ça. C'est comme un slippery slope, tu sais. Ce qui est comique de Joe Rogan, c'est vu qu'il fait une émission par jour de 3 heures, ouais. Tu tripé sur Joe Rogan. Il y a du monde qui font Joe Rogan tous les jours, 3 heures, let's ouais, go. Il ouais, ouais. y a des gens qui sont juste « Ah, moi, c'est juste quand il y a sur des humoristes. Ouais. »« Ah, moi, c'est juste quand il y a sur des scientifiques. » Parce que ouais. c'est intéressant de ouais. voir un non, scientifique mais, qui y parle y pas... pendant 3 heures. Il ouais, ouais. euh, y, ouais. y en a qui sont juste « Ah, moi, c'est juste quand il parle de MMA. » T'sais, ouais. ils connaissent ça, les MMA. Fait que, ah, ben, sur Joe oui. il... Des fois, tu peux pas embarquer tout le monde dans le même Non, absolument. Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, j'avais oublié aussi son plus grand exploit, je pense, parce que j'étais allé à Cape Cod l'été passé. Puis, écouté la télé dans mon motel, meilleure affaire. Parce que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai plus de télé. J'ai mmh, mmh. la télé maintenant, c'est comme genre <laughs> C'est incroyable. Puis, la télé américaine, en plus. Fait que Les pubs d'avocats, c'est oh la meilleure affaire God. de tous les temps. <laughs> les cabinets d'avocats qui font, hey, moi et mon cousin, hey, il y a une... fait telle affaire. Appelle-moi. Tu sais, Call c'est pas une caricature. C'est plein. Oh ouais, c'est ah pas non. Capoté, puis les billboards sont partout. Mais t'es comme les gens sont comme ils ont besoin d'aide. »« Comme pourquoi il y a autant d'appels à... à des les ouais. comme je sais pas. Mais euh, que dire? Oui, le plus grand exploit de Joe Rogan, j'avais oublié. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça. Que c'était l'animateur le... de Fear Factor, man. <laughs> D'où j'ai écouté un marathon de Fear Factor. J'ai comme tout le respect que j'avais perdu pour lui, je l'ai regagné en genre une an et demie. Là. Genre, il était incroyable dans ce rôle-là. S'il si aurait pu se rester là. Il y, a, il y a des réflexions qui sont les siennes et il y a des idées qui sont les ouais. siennes. Mais partir de « Je fais de l'humour à Boston ouais. », à « Je Fear Factor ouais. », à « J'ai la plus grosse tribune sur la planète », Insane. Ça n'a pas trop rapport. Ça n'a pas trop rapport. <laughs> c'est insane, c'est insane comment il s'est rendu loin, c'est fou. que même si tu fais un joint avec, il dirait faut pas que mon mec écoute trop là. Je à wow, ouais. un gars de Boston ah, qui j'suis... aime les arts martiaux là. Moi, ça se peut que je me trompe. <laughs> ça se peut je me trompe. Mais c'est ça, c'est des entrevues tellement longues, il va dans toutes les directions puis comme... il y a plein de choses qu'il dit comme il y a de là, la... tu sais je veux dire, il est clairement fucking brillant. Puis après ça, il y a des opinions que je ne partage pas, puis il y a d'autres opinions que tu sais je trouve je trouve brillant là. je trouve smart par bout la majorité du temps. Puis après ça il va dire quelque chose d'extrêmement extrêmement cave avec lequel je suis pas d'accord, qui est comme un peu comme masculiniste ou, ou anti-vax. Mm -hmm. Puis là je veux juste comme décrocher puis être comme oh, colisse comme il influence tellement de gens. c'est comme fa... mais en même temps, on peut pas s'attendre à ce que une personne je dis, il y a pas de dieu, c'est parce qu'on met les gens sur un piédestal comme il y a il y a trop de pouvoir. C'est ça, ça mmh. le danger quand tu as comme autant une grosse audience et autant de pouvoir. Mais il y a du pouvoir parce qu'il se prononce. C'est ça que c'est oui, un paradoxe. Exact, exactement. Les gens l'écoutent parce qu'il se prononce. Ouais. Ah, mais ils ne devraient pas se prononcer, mais s'il ne se prononce pas, les gens l'écouteront. Très. En même temps, pas besoin d'aller. C'est coup... mélant. C'est mélant. Ouais. Ce que j'ai beaucoup sur mon euh, fil Instagram, ouais, des pubs que... pour raser le dos. Des pubs de trucs en plastique pour raser le dos. C'est quoi un truc en plastique J'en ai, je ai acheté un puis ça ne marche pas. Ça fait juste mal. Oui, ils m'ont eu. Attends, un truc en plastique. C'est okay. -ce? Oh, un... un roller? Non, un bâton. Okay. C'est un bâton en plastique. C'est fait en Chine, très loin, là. dans une usine où il y a encore la COVID. <laughs> c'est fou, là. <laughs> OK. C'est un gros bâton. Okay. Et là, tu te rases le dos. Okay. Puis dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu te coupes. Puis ça fait mal. Puis ça rase pas au menton. C'est la... ça, mais, euh, mon. Oh my mon God. Euh, ouais. Puis ça n'a pas marché. Non. C'est puis... sou... des souliers très laids. C'est ça mes euh, Instagram <laughs> <mais ça>, <laughs> des comme souliers. que, genre de souliers. « Hey, taimes ça les Nike, mais t'es trop pauvre pour en avoir? »« Ah oh non, les oh, ouais, ouais, ouais. <laughs> ouais. Pour moi, c'est comme non. une rue à New York, là où il y a des gars qui font Yo, mais tu veux oui. des Nike pas chers Ben ouais. oui, ouais. pis qui cover up là, oui. les <laughs> montres quand il <laughs> y a une police <laughs> là. C'est <laughs> ça <rire> mon Instagram! Mon <laughs> Instagram, <laughs> c'est ça! C'est une rue un peu trash de Queens. <laughs> c'est ça mon Instagram! <laughs> non! Ouais! Ouais! ouais. Hé! Hey, Puis par rapport au dos, cest comme un thing pour toi? Je sais est-ce que tu as déjà considéré l'épilation compris... ou comme le laser. Ils ont compris très tôt que je un gars de 35 ans, père de famille, que <laughs> ma vie va. Qu'ils Ouais, ouais qui se délaisse... <laughs> non, non. On va t'aider. Il on... aussi dans le gré, que ma blonde est vraiment plus belle que moi. Fait que, voyons, t'as besoin ça, ça, d'aide. C'est pas vrai. C'est pis... tellement wow ouais, que, tu... que tu peux pas te parler de même. Là... C'est pas vrai. Non. Tu peux pas dire ces choses-là comme mais factuellement. Ben oui. Mais non, mais. Oui, ça on est fucking belle, ben oui. mais c'est pas vrai qu'elle est fucking plus belle que... C'est pas vrai, vous êtes égal beau. Non. Oui. Non. Ben, moi, je dirais oui. On n'est pas égal beau. Ben, moi, je dirais ça, ouais. J'ai droit à mon opinion. C'est gentil, mais <laughs> je pense. C'est gentil, je pense pas qu'on est égal beau, puis c'est même... Ben, non, mais moi, ça, je pense. Mais en tout cas, tout ça pour dire par rapport à. Après ça, les filles, tu sais, je veux dire, on se rase là, toutes. Ben, pas toutes. Plusieurs d'entre elles. Moi, aussi, mais pas non. le dos. Le dos, je me rends pas. C'est pour ça que je un rasoir. Je comprends. Mais, t'sais, tu, comme. Euh... OK, je comprends. Moi, il y a, moi, ça me fait peur le laser, là, mais je pense... Moi, je suis arabe, comme j'ai des gènes arabes. Là, fait que moi aussi, le poil, comme il y en a... Là, plus rough. Plus rough. Mais apparemment, c'est un bon candidat, ce genre de poil-là, pour le laser. Parce que quand tu es trop pâle, ça marche pas. Mais est-ce que tu, est déjà, ça a déjà été une option? Parce que je pense que je vais y aller, moi. J'ai peur là, du laser, mais mm -hmm. je pense que je vais le faire, moi. Je l'ai fait pour mes yeux. fait que Ma peau serait correcte. Ah, mais c'est pas la même affaire, là. C'est pas même plus peur, les yeux. Oui. En plus, j'ai manqué mon... quand je l'ai fait, oh! on, on, on a manqué notre coup. Non! Parce qu'ils m'ont pas dit comment mettre mes gouttes. Puis ils se sont dit, c'est un gars de 30 ans, et qu'elle de mettre des gouttes. Non! Non! Fait que j'ai mal mis mes gouttes. Fait non. que j'ai quasiment perdu la vue. Puis on a dû refaire mon, c mon pas laser vrai, mon l as l as. deux fois. Fait perdent la vue. Ma blonde était fière de moi. T'es comme, yes, le père de mon enfant, il est peut-être <laughs> aveugle parce qu'il ne sait pas mettre des gouttes. Yes, c'est bon, ça. Mais je ne comprends pas. Fait que t'es partie de là, avais une prescription à suivre. Ouais, suite. ils m'ont dit, mets des gouttes. Comme, okay, pas pourquoi tu ne les as pas mis Je les ai mis. OK. De. Mais ils ne il t'avaient pas expliqué comment. Voilà. Eu, 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 il comprend comprennent, okay. il y a 30 ans, j'ai mis des gouttes. Je n'avais jamais mis des gouttes. Et moi, faut toute dans la vie, il faut tout m'expliquer. Je comprends. Il faut juste tout. OK. Tout, tout, tout. Comme marcher faut il tout m'expliquer. OK. Je fais ça que ma fille j'explique tout de même, mais comme. Je ne suis pas, comme, con... bon, pas là. stupide comme toi, là. Il y a des choses que j'ai compris par moi-même. <laughs> On m'a pas expliqué comment mettre mes gouttes. Je les ai mis tout croche. Okay. Ils coulaient tout le temps. Fait que je mettais pas de gouttes. Je comprends. Euh, fait que j'ai perdu la, la vue. Fait que j'ai dû le refaire. Qu'est-ce que tu faisais par te perder la vue? Tu as vraiment commencé à sentir ta vue baisser. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Il y avait-tu un problème? J'ai ouais. sais... mal mis des gouttes, ils m'ont la fait, tout va bien. Okay, puis quand t'es retourné, tétais comme, il faudrait peut-être pas être touché tout de suite. Euh, mais le lendemain, il faut un examen parce qu'ils savent que tu okay, okay, okay. es pas intelligent okay, comme moi. Okay, okay. T'as-tu en fait, mis des gouttes? J'ai fait oui. Il dit, pourquoi tu mens? C'est tes <gasps> yeux, mens pas. pas. Je mens pas, je mens pas. J'ai mis mes gouttes, mais ça paraît pas. Ok, puis comment tes amis? Puis là, t'es genre. Tu une dans le front, une ça joue, une sur l'avant-bras. Ils m'ont coaché comment le faire, puis là, tout va bien. Ah, ok. Yeah, c'est stressant, ça? Le... Ouais. Tes yeux. Ouais. Moi aussi, j'ai eu une grosse affaire avec mes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eu une opération... Moi aussi, j'ai failli perdre la vue. J'ai eu une grosse opération majeure aux yeux. J'ai eu un décollement de la rétine. J'ai failli perdre la vue aussi. Ouais. C'est arrivé comme ça ou c'est un accident? C'est euh, une conséquence d'une de... maladie de longue durée. OK. »« C'est comme. Euh... J'ai eu j'ai eu des troubles alimentaires vraiment longtemps, mm -hmm. pendant comme dix ans. Puis, euh, c'est comme anorexie et boulimie. Puis, la boulimie, bien, à un moment donné, quand tu te fais vomir comme cinq fois par jour, pendant plusieurs années, euh, la pression qui va vers tes yeux. Puis, ouais pendant un petit bout, euh, je voyais, là, comme je voyais qu'il y avait des affaires qui se passaient, comme j'avais des cellules qui pétaient autour des yeux. ouais des affaires, tu sais un moment donné dans l'œil, mais j'avais genre 26 ans, j'avais wow. jamais comme catché que je pouvais être aussi fragile. Mm -hmm. On pense qu'on est un peu invincible à ce -là, es comme, ah, OK, ah, je mange pas pendant comme trois jours, mais whatever, je suis jeune. Puis comme, tu sais, clairement, je n'étais pas inconsciente à ce point-là, mais il y a une partie, il y a une voix dans moi qui prenait plus de risques parce que j'étais plus jeune, puis j'avais jamais vraiment eu de problème de santé. Puis. C'était pas ça que je voulais du tout qu'il arrive, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver. ma à j'ai juste commencé à avoir comme flu weird. Puis ça a duré un peu de temps. Puis je suis pas Fait puis j'en parlais à, à du monde autour de moi. Puis ça a comme, ben non, tu capotes. Parce que ça m'arrive vraiment d'avoir des spins de maladie X, là, comme ça m'arrive régulièrement. Mais là, j'étais comme, ah, je sais pas, que ce soit un décollement de la rétine. Parce que mon père a eu ça quand il était jeune. Puis il a fallu qu'il se fasse transporter en, hôpita en, en, en hélicoptère pour son opération parce qu'il n'y avait pas de peut-être faire l'opération quand on à Terre-Neuve. Puis ça m'avait vraiment traumatisé. Puis il, il s'était élevé, puis il avait perdu la vue. Puis euh, cette affaire-là m'avait vraiment traumatisé Puis je sais que j'ai les gènes oculaires de mon père, parce que j'ai pas des très bons yeux. Puis je pense que j'ai juste accéléré le processus génétique. Je pense que j'aurais eu un décollement un moment donné, peut-être, mais plus tranquillement. On l'aurait peut-être spoté avant, mais là, c'était comme grave puis il fallait que je me fasse opérer le lendemain sinon genre je perdais la vue dans les quelques jours qui suivaient ouais wow. c'était fou waouh t'as tu remis en question ton trouble mental ben, là j ai, j ai plus ou... jamais, ok je, je me suis plus jamais fait vomir ça fait peur là ben, c'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie ça faire vomir jusqu'à perdre la vue c'est waouh c'est le pire là c'est que c'est vraiment pas la première fois, quelque chose de vraiment trash arrivait. Mmh. Je vous disais, je vomissais du sang régulièrement. Wow! Ouais, comme. Oh oui. Tu t'es habitué, là. C'est ça, est... ça qui est fou dans une addiction parce que c'est trop alimentaire, c'est vraiment une addiction, là. Ok, pourquoi comme... ça? Ben, c'est considéré comme une addiction parce qu'à un moment donné, c'est un cycle. C'est comme, tu vas pas manger, tu vas pas manger, tu vas pas Mais ben, tout le monde le vit différemment, là. Mmh. Tout le monde, il y a, y a plein de. Mental différent il y a des gens qui se sont jamais fait vomir du tout moi je me faisais vomir à un, à un certain moment je prenais cinq laxatifs par jour juste parce que je voulais toujours me sentir légère j'ai toujours eu ce genre de feeling là que je prenais trop de place ou que je, ouais comme j'étais trop mon corps était de trop puis depuis que j'ai comme huit ans, je me, je me sentais de même. Puis à un moment donné, ça s'est manifesté avec les trois de mental. C'était pas ça au début, c'était juste comme. Ça a commencé parce que mon premier chum à vie m'a laissé, puis j'avais jamais vécu d'amour comme ça, comme pas juste de l'amour amoureux, mais comme sa, sa famille avait tellement une belle famille harmonieuse. Mmh. On mangeait ensemble, on parlait de politique, on il voulait entendre mon opinion je me je me sentais tellement comme valorisée dans cette relation là puis j'avais jamais comme je m'étais jamais sentie comme accueillie complètement comme ça puis euh, quand j'ai perdu cette relation là puis clairement je, je ça ça pas marché j'étais tellement cool que savais pas comment exister dans l'intimité mm -hmm. j'avais jamais été intime avec personne même à ce jour, je suis super proche de ma, de ma mère, je l'adore, mais je suis encore gênée des fois avec ma mère. Juste parce que je n'ai jamais été habituée d'être comme intime, comme très proche avec beaucoup de monde dans ma vie, comme j'ai vraiment eu de la difficulté avec l'intimité très longtemps. Puis je ne parle pas comme sexuellement, mais je parle uh -huh. juste comme être même dans une même pièce avec ma meilleure amie. Uh -huh. Je n'ai pas été capable vraiment de faire ça avant l'âge de genre 23 ans. T'sais, on l'a fait ici et là, mais... Elle savait, j'étais très inconfortable, puis j'ai pushed through, puis maintenant, ça va ça, ça bien, je suis capable d'avoir des amis. <laughs> Mais. Tu rires, mais ça s'apprend. C'est triste. C'est hein? -ce triste, <laughs> mais c'est vrai. C'est triste, on n'en parle jamais. Mais l'intimité, ça s'apprend. Avoir ouais. des amis, ça s'apprend. Mmh. Être dans un groupe, ça s'apprend. La confiance, ça s'apprend. La confiance, ouais, Et euh, je ouais. pense que y Oscar Wilde qui disait ça. Je, le, je vais mal le citer, mais il disait des fois, c'est mmh. poche parce qu'on a l'impression que tout le monde a un guide pour vivre à part nous. Right. Que tout le monde comprend les codes à part nous, puis on se sent tellement inadéquat. C'est tellement vrai. Puis mmh. en vieillissant, le plus qu'on peut se parler de ces inconforts-là, on le réalise à quel point tout le monde se sent awkward tout puis vrai. souvent c'est tellement dans notre tête puis on est tout en train de se dire que nous on est la personne awkward mais tout le monde est en train de se c'est vrai ces codes-là c'est comme on prend pour acquis puis souvent on va se baser sur des films ouais. sur des livres moi je, me, je me, ma première relation justement je me basais sur ce que j'avais vu dans des films mm -hmm. c'était comme si je jouais un rôle là. le rôle de la blonde idéale c'était pas moi là j'étais pas tu sais, à l'aise d'être moi vulnérable je me rappelle là. en début 20 ans je m'étais dit c'était très cynique mais il y a une... Bref, tu as dit, ça me prend une blonde ouais. pour que quand une fille géniale mm -hmm. va arriver, je vais être capable d'être en relation avec elle. Comme Ça prend de la pratique. Ouais, ouais. Comme, comme n'importe quoi. Je comprends ta réflexion. C'est pas je... que. Puis aussi, ça prendrait je... pas qui, mais ouais, l'intimité, ouais. ça se développe. Être oui. avec quelqu'un, ça se développe. Ouais. Ouais. Ah, c'est fou. Puis c'est triste qu'on ne peut pas juste te dire, hey, je, comme, je vais manger pour être prêt quand la bonne personne arrive parce que ça, c'est comme. Il n'y a pas de pratique. Puis, ironiquement, quand la bonne personne arrive, ça, tout est naturel, right, tout ça, est super. Ça tombe en place. Ça tombe en place, c'est bien dit. Oui, ça tombe en place. Mais en tout cas, en gros, quand il m'a laissé puis je sais, il avait 100 de droit de me laisser, puis mm -hmm. je n'étais pas... Pas, que... <laughs> pas la baisse. C'est ça que tu dis. Ça que tu dis. Non, c'est ça. Puis j'étais juste comme... C'est ça, je n'étais pas capable d'être intime. Je n'étais pas comme sincère. Tu sais, ça a dû sentir que... C j'étais pas capable d'être comme 100% moi-même. Je savais, à la limite, peut-être même pas, j'étais qui, là, j'avais genre 16 ans, tu sais, 16 ans. Fait que quand il m'a laissé, ça m'a vraiment comme... C'est comme j'avais goûté à l'amour, puis là, je le perdais, puis ça m'a vraiment traumatisée. Puis, euh, là, j'ai... Ouais, j'étais allée comme au Mexique accompagner mon meilleur ami à sa mort, <laughs> en tout cas, whatever. Longue M histoire. Euh, mettons, puis mettons, <laughs> mettons, on fait une parenthèse sur ce que tu viens de dire. C'est con. Non, mais c'est parce que je sais même pas suis je devrais comme raconter ça. Ah mais, oh, mais non, mais non, mais, mais c'est correct comme je peux le dire vaguement, mais même avec le temps, j'ai peur d'avoir du mes souvenirs. mais souvenez mais En gros, j'avais un ami à l'époque qui allait vraiment pas bien, puis euh, il avait fait comme. Deux tentatives de suicide, je pense à ce moment-là. Il était accro pote puis c'était comme un vrai, comme. Tu sais. Oui. Vraie conséquence de pote. Ouais. Ça, ça, ça il y se y peut, ça il, y a, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui l'ont. Qui right. comprend. Exact. So, il y a des gens qui vivent très bien avec ça, ouais. d'autres moins. Ouais, exactement. Fait que. Puis là, Les gens qui fument du weed et qui aiment ça, écrivez pas en commentaire à quel point c'est cool, <laughs> puis il y a une étude qui dit que c'est exceptionnel. Oui, <laughs> t'es heureux, c'est correct. Ouais, exact, exact. Bien dit. Fait que, euh, en tout cas pour plusieurs raisons X là, que je ne mentionnerai pas, mm -hmm. il voulait comme s'en aller puis comment ah, moi moi c'est fini. Fait que soit que je le fais ici ou soit je m'en vais au Mexique la fois. Puis là moi j'étais comme ok ben je vais t'accompagner au Mexique. On avait genre 17 j'étais pas majeur puis euh, j'avais pas de passeport. À ce moment là tu fais voyager avec un certificat de naissance là pis une carte d'assurance maladie. Puis je suis partie comme sans le dire. Euh, je pense que je l'avais dit à ma mère. Oui, je l'ai dit à ma mère, mais je l'ai pas dit à mon père. Puis mon père essaie de nous faire bloquer aux, do aux doigts. En wow. tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai dit ah, je vais t'accompagner. Euh, je vais t'accompagner. Puis, euh, mais secrètement, j'étais comme Ah, ben, je vais comme ça, va tellement être le fun. je vais redonner goût à la vie. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on est allé en autobus de Gatineau <laughs> au Mexique. <laughs> ça m'a coûté. Ça, ça se peut so, faire ça. Ça genre 180$. No joke. Ouais, Quetta. ça se peut. Ça a pris 5 jours. Ouais. <laughs> Cinq jours dans un ground près de Mexique Cinq jours dans un ground. pis les grounds ici sont nice, là. Mais à partir de genre. Détroit. C'est moins nice. Des... C'est de pire en pire. En plus, t'arrives au Texas, puis là, tu peux pas sortir de la station ground parce qu'il y a des stabbing. Genre. Puis nous, on avait jamais rien vu à part, genre Gatineau. Mais... Oh, ah, c'est rough. Que... Il y a des bouts de Gatineau qui sont ah, rough. Oh, ah, c'est rough. Oui, oui. Une fois, j'ai oui, joué oui, au hockey avec oui. un gars de Gatineau qui avait. Moi, ouais, ah. je viens d'un bout de rough, puis. Ah oui. Rof, oh! là, genre des gars sur le oh! speed qui se battent à 2h l'après-midi. Oh, 100%. Là. Non, mais Gatineau, moi je viens du hood de Gatineau. Tu les connais, ces gars-là. Ben, ouais, comme... Donc j'ai vu, mettons. Oui, oui, il oui, y a là mon école secondaire, c'est clair. J'allais à la numéro un pire école, moi, du, second... bon, de, salut. du Québec, ouais. <laughs> ça c'était en tout cas. Bref, ah, dire que. monde que... Tu es à la meilleure école du Québec, tu la pire. Fait que ça c'est un truc. Qui est allé à la meilleure Phil, es à notre... Si, si tu Phil, c'est la meilleure. Oh my God, OK. Oh. Ça, si tu, si tu <laughs> rencontres si Phil, OK. Pardonne-moi. Si tu uh -huh. rencontres Phil et tu veux passer une bonne demi-heure, uh -huh. dis jamais que Notre-Dame, c'est pas la meilleure affaire que la planète de Notre-Dame euh... Notre de quoi? Pas de Paris, là. Ça, ça non, mais plaît. de l'eau. Euh, Notre-Dame. Euh, les... À Longueuil? Non, à, okay. à Montréal. Ah, oh, les... OK, OK, OK. Tout ça pour okay. dire. Fait okay. que là, t'es au Mexique. Non, en euh, tout cas, avec bref, ton... tout ça pour dire, je me suis dit. Je sais pas, j'essayais je, de... Je sais pas, je me suis mis en tête qu'il m'avait laissé parce que j'étais grosse. Genre. En tout cas, okay. Je sais pas, j'étais comme, ah, je suis... Tu sais, c'est un peu un âge, j'étais grosse en 15, 16 ans. Tu sais, j'étais un bâton quand j'étais jeune plus. Je commençais à avoir des seins, je commençais à avoir des formes. Puis, je, je sais pas, c'était un âge weird où, tu sur, juste avant que tu retrouves un peu une forme normale, plus adulte, C'était mm -hmm. comme une genre de période de transition d'adolescence, fin d'adolescence. Puis, je sais pas, je me suis juste dit, puis j'étais absolument... Pas grosse, je sais pas pourquoi, j'ai comme blâmé. Ça fait longtemps que je blâme tout sur mon corps, tu sais, en tout cas, vrai. Puis là, euh, je me suis juste dit, ok, ben, je vais, parfait, je suis en voyage, je vais comme en profiter pour changer d'appart. Puis j'ai juste comme pas mangé. Ça donnait bien, j'avais comme pas d'argent. Je <laughs> suis partie sans argent. <laughs> fait que, <laughs> fait que j'ai quasiment pas mangé de toute le voyage. Je suis revenue, j'avais perdu comme, je sais pas, genre comme 15 livres. Puis je suis revenue, puis c'est sûrement la pire affaire qui a fait en sorte que, comme, ça tu sais, l'engrenage, mm -hmm. comme... Le bout de neige. ouais boule bout de neige. Je suis arrivée dans un party la première soirée quand je suis revenue, puis justement, mon ex était là, puis tout le monde était comme, « Wow, t'es donc... Wow, t'es don ben belle! »« Wow! Mm. » Genre, puis, tu sais, sa vie Tu sais, on nous nourrit de ça, Je veux dire, c... ça m'a clairement... Je comme affamée de validation, j'étais mm -hmm. affamée de confiance et d'amour. Puis, ouais, j'étais comme « Ah, ben you're on the right path », comme « OK, c'est cool ». Ah, ben c'était peut-être ça, dans le fond, comme peut-être que, dans le fond, c'est ça, le, la route du bonheur, là, tu sais, puis c'est ça. Puis là, c'était le début de quelque chose de vraiment pareil. Au début, c'était juste pas tant manger, manger moins, faire attention, puis un moment donné, tellement faim, t'as tellement faim, t'as tellement faim, à un moment donné naturellement, tu ne savais tu sais pas c'était quoi la boulimie ni la ni la Puis un moment donné c'est juste ok tu finis par manger puis là tu manges mais là tu te sens dégueulasse fait, tu te fais vomir puis après ça ah peut-être que pas tout est parti puis un moment t'apprends là tu comprends c'est quoi là, tu check un peu en ligne tu comprends ah les laxatifs ah là tu peux tout peut sortir puis ah les diurétiques tout l'eau de mon corps puis là là tu tombes dans des spirales d'addiction la coke c'est pas pour rien que le, mmh. la coke, s'est apparu pas longtemps après ça, là, dans ma vie. Euh, parfaite drogue là, pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires. Là, ouais. Puis en plus, c'est de l'énergie. Ben, c'est ça. Tu montres, ça coupe la faim, puis t'as de l'énergie, puis tu te sens de nouveau toi-même. Comme... Puis ça te permet d'oublier temporairement toutes les horreurs que tu te fais vivre au quotidien. fait que, Bref, tout ça pour dire que qu'éventuellement, c'est comme quand même genre 10 ans plus tard là, que l'œil. Mm -hmm. euh, Puis maintenant, j'ai un nano de silicone autour de l'œil pour toujours. Je suis basically comme wow. Terminator. Je <laughs> <laughs> suis un peu arnaud, mais j'ai eu la grosse opération où ils mettent un nano de silicone autour de ton œil pour pas que ta rétine bouge. Puis wow. ma vue a vraiment baissé à cause de ça, à cause de l'opération. Fait que là, mes deux yeux, ils n'ont plus la même vision pendant. Ça m'a pris genre un an et demi de, de grosse dépression après cette opération-là parce que je ne voyais plus de la même façon. Ce qui est Mais... quand même horrible quand tu vies avec tes yeux. Là. Oui, puis maintenant, je vois des corps flottants tout le temps pour le reste de ma vie. Tu sais, il y a des graves conséquences. Ce pas, ça n'a pas fini à l'opération, tout est réglé. Non, mm -hmm. c'est comme pour le reste de ma vie, j'ai ce souvenir-là. Puis, tu sais, il faut que je porte cette... Je, je, je le porte pas comme une honte, mais c'est un souvenir. Puis je me dis, comme, tant mieux. Comme je suis reconnaissante avec le recul que ça soit arrivé. Parce que si c'était pas arrivé, je sais pas si je. Je sais pas, je serais où. Non, oui, je sais pas, pas, je serais où. C'est horrible ce que tu as vécu, mais mm. ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Puis Puis aussi, exemple, ouais. ta situation était horrible. Je, je sais pas comment tu vivais, mais tu devais ben, pas être... non, mais te sentir. Non, c'était comme penser au suicide assez régulièrement. Là. Je sais, les troubles alimentaires, c'est la maladie... C'est le trouble psychologique le plus mortel. Wow! De loin. OK. Puis c'est majoritairement... Je sais pas si c'est majoritairement, mais les causes, c'est genre arrêt cardiaque ou suicide. Parce que c'est tellement une vie malheureuse. C'est vraiment sous comme sous-estimé. Comme je pense que les gens ne comprennent pas très bien les troubles alimentaires en général, puis je pensais juste qu'on n'a pas l'informe on n'a pas accès puis il y a beaucoup de honte liée à ça fait que c'est pas tout le monde qui en parle parce que c'est trash tu je viens de te dire je prenais cinq laxatifs par jour à un moment donné dans ma vie là. comme mmh. c'est trash en tabarnak là comme. une fois dans un bar j'ai rencontré un gars qui faisait des arts martiaux mix puis était avec son épouse mmh. puis il me parlait qu'il faisait des arts martiaux mix puis il mmh. j'ai dit pourquoi t'as arrêté il dit j'ai arrêté Pop, les combats je pourrais me battre demain matin mmh. pas de problème ce qui est vraiment tough c'est faire le poids ces hommes là ces femmes là qui font les arts martiaux doivent se battre un certain poids pour mmh. ce certain poids là ils se font vivre des choses horribles Mmh. Puis euh, c'est mon épouse, c'est son épouse qui avait dit « Moi, je, je te suis plus là-dedans, c'est trop horrible. » Il expliquait que, euh, premièrement, il expliquait que juste quand il, était que ça, il venait un entraînement, il appelait sa, sa, sa femme en disant « Cuisine pas, Fais même pas de toast, parce que si je sens une odeur de cuisine, je vais refou. » Il avait dit « J'ai pas de preuves, mais j'ai tellement perdu de gras, que mmh. c'est de la matière, on dit de la matière graisse en la tête, j'étais plus niaiseux. » Ça affecte le cerveau, il dit « Je suis convaincu. » C'est ça, si tu ne manges pas, ton mm. cerveau ne fonctionne pas aussi bien, là, of course. mais ben oui. Ah, mais c'est horrible. Mais, mais c'est ça, c'est la, la vie de quelqu'un qui. As un gars qui se faisait frapper puis étrangler. vivait mieux avec ça que réduire ses portions, puis moins manger. T'sais. Il y a une étude tellement intéressante qui a été faite. On l'a appris parce que j'étais suivie à Douglas, à l'hôpital Douglas, à la clinique des Trois Alimentaires à une certaine époque. Puis il nous avait parlé de cette étude-là, puis c'était tellement intéressant. puis C'était après la deuxième guerre mondiale, c'était en mode genre c'était même pas une étude à propos des trois alimentaires à la base c'était juste une étude de comme OK comment on gère mieux les rations de bouffe en temps de guerre fait qu'ils ont fait une étude comme massive avec un paquet de monde puis ils ont juste fait comme OK cette moitié-là vous allez être alimenté d'une façon normale cette moitié-là vous allez perdre comme un corps c'est euh, le corps de votre ration après ça ça va être une demi puis tu sais puis ils divisaient les groupes de même puis les gens ce qui remarquaient, c'est que le plus que tu diminuais le plus que les gens commencent à avoir des comportements, puis ça, on parle des années genre 50, des comportements qu'on associe beaucoup aux troubles alimentaires aujourd'hui, commençaient à cacher leur bouffe, commençaient à se faire vomir, commençaient à être obsédés par la nourriture. Il y a plusieurs d'entre eux qui sont devenus des nutritionnistes après l'étude. Non, non, c'est fou parce que tu en reparleras avec des gens. Je sais pas si tu as des gens dans ton entourage qui ont déjà eu des troubles alimentaires, mais tu deviens tellement une encyclopédie nutritionnelle que c'est pour ça qu'ils disent que les troubles alimentaires ça arrête jamais comme complètement parce que tu peux pas oublier toute l'information parce que tu deviens obsédé par cette information là puis il y a des gens qui deviennent nutritionnistes qui deviennent, ça devient comme leur path of life là, parce c'est juste à ce que tu penses 24/7 fait, fait que dans l'étude c'était tellement intéressant puis c'est ça puis il y en a plusieurs qui ont développé des troubles alimentaires parce qu'à un moment donné c'est comme juste naturellement tu vas enlever la base de ce qu'on a besoin pour comme vivre, mm -hmm. tout se dérègle, puis tu commences à avoir des comportements vraiment dangereux, puis pour soi-même mm -hmm. surtout. T'sais. Fait que, ouais, c'est très grave, ce trouble psychologique-là, puis il est très mal compris. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment juste un truc superficiel ou, ou d'apparence physique, puis c'est absolument pas ça. C'est des gens à la base qui vivent un mal-être, puis pour une raison X, moi, je sais même pas, moi-même, j'ai essayé pendant des années en thérapie de découvrir c'était quoi la raison, pourquoi c'est mon corps le problème, pourquoi, tu sais, beaucoup de gens ils ont vécu un abus sexuel quand ils étaient jeunes. Peut-être, tu sais, quelque chose qui a, qui a rapport avec ton corps, que, il y a comme, tu portes une honte, tu portes, ah, ça a ça, il doit être problématique, il y a comme tu l'associes à quelque chose dans ton vécu, mais euh, je sais même pas, peut-être qu'il y a des choses que je me souviens pas, mm -hmm. I don't know, mais j'ai toujours eu ce feeling-là, comme c'est mon corps le problème, le problème, c'est sais, plus maintenant, là, mm. mais comme plus jeune, c'était vraiment ça. J'avais une honte, là. J'ai commencé vraiment, vraiment jeune à altérer mon apparence. Genre, à 8 ans, là, je me défrisais les cheveux. Je m'appelais... À... parce que j'ai des cheveux extrêmement frisés. Okay. Je suis arabe. <laughs> oui, oui, oui. <laughs> puis, c'est même aujourd'hui, je me défrise encore les cheveux. c'est pas tout le temps, mais la grande majorité du temps. Pour une raison X, c'est comme « Ah, t'es pas quand même comme t'es à la base. » hmm. Puis je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de ça qui a rapport avec le fait justement que je suis arabe, puis que j'ai été élevée dans un environnement où euh, j'étais élevée avec des blancs, puis qui ne ressemblaient pas à ça, puis je me suis fait vraiment bully » par rapport à mon apparence. Puis après ça, tout le monde réagit de la même façon, mais je pense que moi, c'était ma façon de réagir. Um, je pense que c'est la cause de beaucoup de mes complexes. Là. Tu dis que tu es arabe, mais précisément de quel pays? Ma mère est palestinienne, okay. puis mon père euh, de Hawksbury. Comment ils se sont, sont rencontrés? À l'Université euh, d'Ottawa, en fait. L'histoire-là, je veux pas la maganer parce que je suis pas sûre de tous les détails, mais en gros, mon père travaillait, je pense, comme au vestiaire, si je me souviens bien, d'un bar de danseuse. Mais je suis pas sûre à 100 mais il faudrait que je confirme. Mais... Puis ma mère, a travaillait aussi, je pense, à la réception, comme de... à la... Comment, à, à l'accueil de ce même bar de danseuse mais elle ne savait pas que c'était un bar de danseuse c'est soit que c'était pas un bar de danseuse c'était comme un bordel ouais. ou c'était un motel ah oh, je sais je vais mentionner je pense que c'était un c'était le motel à côté d'un bar de danseuse. fait que c'est ça fait qu'elle, elle a à travers la réception mon père travaillait comme ailleurs dans le truc puis en gros elle ne savait pas que c'était c'était ça que se passait, Ma mère est extrêmement catholique. fait qu'elle aurait jamais accepté ce poste. Ouais, même si ce pas pratiquant c'est pas tout le monde qui aime ce poste. -là. Non, c'est ça. c'est pas une job si de rêve, là, nécessairement, de <laughs> travailler dans un bordel. Mais, mais, euh... mais c'est ça. Fait que... Ils se sont comme croisés. Une je pense elle a oublié ses clés. Il a failli qu'elle revienne. Puis là, ils se sont croisés. puis C'est même qu'ils se sont rencontrés. Cas, wow. Si j'ai bien compris l'histoire, ça ressemble à ça. Euh, tu es palestinienne. Comment tu vis ce qui se passe en ce moment? Euh, extrêmement mal. Extrêmement mal. Je. Je. J'ai de la misère à trouver des mots, honnêtement. J'ai de la misère à trouver des mots. Je, 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 je sais pas comment. Je peux pas résumer vraiment très facilement comment je me sens par rapport à cette situation-là. Je suis juste. Il n'y a pas de mots assez comme lourds et importants et dramatique pour exprimer à quel point je suis triste, dégoûtée, euh, à quel point je me sens impuissante, à quel point je suis comme enragée, euh, comme juste décollissée en général. C'est pas juste, c'est tellement plus large que juste le conflit. Être exposé à autant d'injustices, être exposé à autant de cruauté humaine, ça, ça rend ça tough de continuer à vivre tout simplement, puis exister dans le monde en essayant de juste comme être heureux, puis avoir une vie normale, c'est comme... C'est très... Tu te sens coupable? Je me sens pas... Non, je me sens pas coupable, mais je sens une énorme absurdité. Là. Comme, c'est tellement absurde, l'existence humaine. C'est un pur hasard que moi, je sois née ici. C'est un pur hasard. Puis moi, j'ai tout ce privilège-là de juste être confortable chez moi en sécurité puis en parallèle j'observe en temps réel on n'a jamais été exposé à un génocide en live stream mm -hmm. c'est jamais arrivé dans le monde une guerre comme racontée par son propre peuple qui est en train de se faire détruire des deux bords, c'est raconté par les victimes. Ouais. Les agresseurs qui se filment en train de faire des, ouais. des crimes horribles. Bien, les, les, les agresseurs se, se victimisent également. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, comme... oui, mais mais c est, c est, c est... je trouve que c'est ça commence à être impossible de vivre. Comme Moi, j'ai depuis le 7 octobre, j'ai sombré là, vraiment. Là. C'est pour ça qu'on disait tantôt je suis partie récemment puis j'ai le privilège de pouvoir partir mais honnêtement je, je pétais au là, comme mm -hmm. sincèrement j'allais pas bien là, comme j'allais pas bien depuis un bout c'était mixé c'était pas uniquement ça mais c'est ça qui m'a comme cloué à terre Oui. Ouais. je veux dire, tous les jours de voir des enfants morts des enfants orphelins, mm -hmm. des gens se faire comme gonner, comme si tu étais en train de jouer à, à Golden Ils genre, comme c est, c est, c est, c est... ils sont traités comme des animaux, comme... Ces images-là, je ne suis plus capable de les voir, là. Comme je ne suis plus capable de voir ces images-là, là, comme au début du... Au début du... Je veux dire, au début du génocide, parce que ce n'est pas un conflit, mm -hmm. c'est un génocide, là. Au début du génocide. Euh, je partageais beaucoup d'informations. J'étais obsédée, tout ce que je faisais jour et nuit, c'est juste checker les updates, lire les articles, euh, regarder les reportages comme j'étais obsédée. Puis je me suis vue juste détériorer comme ça m'a ça m'a empoisonné puis ça m'a ça amenée, ça m'a sombré dans une comme, énorme dépression là comme à un moment donné, l'impuissance liée à ça comme l'impuissance de juste être la personne tu sais l'absurdité là comme je, c est, c est, c est, c est quand tu dis tu sens -tu coupable comme c'est pas coupable parce que j'ai pas choisi mm -hmm. c'est pas comme si j'ai fait un choix comme euh, je me ferme les yeux puis je fais un choix je suis juste là comme je suis juste là je suis juste dans ma vie puis mais C'est juste l'absurdité, je pense, je dirais plus. C'est juste une, une conscience de l'absurdité totale du hasard de, de la vie humaine, de comme ça donne que je suis née ici, puis moi, c'est ça ma réalité. Puis, mais moi, ma mère, elle a vécu ces gares-là, tu sais, comme pas, pas comme celle-ci, mais je veux dire... c'est pas la première fois que... Il y a une guerre dans mais cette non, mais région là les, non. Ils n'ont jamais parlé, les médias occidentaux n'ont jamais, ben, même qu'ils n'en parlent pas comme tant que ça, puis pas si bien, mais on n'a jamais autant parlé de la Palestine. Euh, j'ai jamais. C'est ça qui est tellement triste, c'est qu'en vieillissant, comme on parlait tantôt, que j'avais tellement de la misère à accepter juste mon apparence mm -hmm. physique. Puis maintenant, j'ai jamais autant vu des gens qui me ressemblent. Quand je regarde mon téléphone, je, je regarde comme je, je me reconnais. Je me reconnais dans un peu de tout, dans les traits, dans l'intensité, dans la dans la résilience même, tu sais, dans les, la force. Puis Je reconnais ma mère surtout, mais tu sais, je, je, je suis un peu saisie de ma mère, puis j'ai été élevée par ma mère. Fait, je me reconnais, puis je me reconnais, mais en même temps, ces gens-là sont en train de... Comme mourir dans mmh. mon écran, c'est ça, le, 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 c'est comme ah, oh waouh, des, des, comme des comme moi, puis c'est la première fois que je, je vois autant de gens comme moi, mais ah, sont tout en train de mourir, de pis disparaître, puis on les traite comme des animaux, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent de commencer à entendre parler de ce qui se passe en Palestine, mais j'ai été élevée avec ça. Mm -hmm. J'ai ça dans mon ADN. J'ai les traumas générationnels. Comme je, je, je. Fait que pour moi, c'est extrêmement triggering tout ça. Mais je suis très contente que, de voir à quel point les gens en parlent et à quel point les gens partagent. Mais pour moi, c'est devenu un moment donné, les vidéos graphiques. C'est comme... ça qui est, qui est fucked up. Qu'est-ce qu'il qu faut faire parce que je veux pas arrêter d'en parler. tu sais, je, je pose des gestes concrets. J'ai fait un, un chandail avec ma mère. On, on a ramassé plein de fonds. On les a envoyés à Medical Aid for Palestine, qui est un organisme euh, à Bethléem qui aide euh, les Palestiniens. Euh, j'essaie de comme poser des gestes. Je vais envoyer des lettres, appeler mes représentants. Mais un money comme le partage, tu sais, on veut pas que le, on veut pas que le discours s'essouffle, mais en même temps je suis plus capable de voir des bébés morts. Ouais. Fait que je ne sais pas comme quoi faire en ce moment. Fait que c'est ça, c'est comme, comme... Je ne sais, sais pas comment mettre des mots exacts sur comment je me sens. Je suis juste « trap. je me sens « trap. Mm -hmm. je me sens figée, puis je suis vraiment fâchée, puis vraiment triste, puis j'ai tellement pleuré, j'ai tellement comme... Mais je ne suis plus capable, c'est comme à un moment donné, ça fait juste s'empirer à chaque jour. Hier, j'ai regardé une vidéo, c'était juste un gars qui marchait déjà affaibli dans un, un endroit un peu désertique, qui se fait juste puis faire pitcher une bombe dessus. Il est mort. Un autre, un autre vidéo, même chose, un gars qui marche tout seul. Se fait ils se font cibler. C'est complètement illégal. C'est une guerre, compl une guerre mmh. illégale, là, comme gravement illégale. Puis l'Occident fait absolument rien. Ils ne pas rien. il contribue. Mais non, oui, absolument. Mais il faut, faut le mentionner. Oui, tu as raison. Ouais. Tu as actually 100% ouais. raison. On fournit les armes. Puis, tu sais, on envoie de l'aide, puis on envoie bien plus d'armes. Je dis, mm -hmm. c'est capoté. Puis, le Canada, quelle honte. Quelle honte. C'est fou. On vient tout juste d'appeler pour un cessez feu Tu sais, ça fait genre une semaine. Le 7 octobre, on est rendu au moi. Ça fait six mois. Hey! J'ai honte, là. J'ai jamais eu aussi honte de Canadienne. J'ai jamais eu aussi honte. Je suis comme... Ouais. Je suis dégoûtée par tout mm -hmm. ça. Vraiment. Sais... Toi, comment tu le vis? Euh, au début, j'étais très... Enra... Euh, au début, enragé. Je trouvais vraiment... vraiment... J'étais enrageant. Ensuite, j'ai trouvé ça enrageant de voir qu'il n'y avait pas autant de gens enragés. Mm. Parce que des fois, quand j'en parlais sur scène... Je des blagues là peux, Que mes blagues soient bonnes ou mauvaises, ça c'est. subjectif. Mais des fois, sentir que les gens disent De quoi ils parlent Fait que waouh, qu'il truc aussi horrible. Ouais. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant. D'un autre côté, je me disais, ça, c'est ma blonde qui me disait ça, quand tu vas à un show d'humour, des fois, tu es là pour Décroche. décrocher, Puis tu mm -hmm. peux, dans le reste de ta, de ta journée, réfléchir à mm -hmm. ça. Mais quand tu vas là une demi-heure ou une heure, peut-être pour passer à autre mm -hmm. chose. Fait que ça, je me suis cramé par rapport à ça. Mm -hmm. Mais je trouve ça fou parce qu'on dit tout le temps, quand il y a des films. Sur la Deuxième Guerre mondiale. On fait. Hey, moi, j'aurais jamais laissé passer ben ça. Exact. Moi, exact. Là, la Shoah, ça serait jamais arrivé. Mm -hmm. Puis moi, Hitler, arrêté, on l'aurait arrêté avant. Puis jamais, il serait rentré dans plusieurs pays. Il y a des trucs qui sont similaires. Il y a, des, il y a de l'horreur. Et on fait rien. Et on est... Il y a un film génial. c'est Le film qui a gagné euh, au, euh, aux Oscars cette année, le, 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 film, du, le film étranger, oui. s'appelle Zone d'intérêt. Puis c'est un film horrible et génial. C'est l'histoire. Du euh, directeur de Auschwitz. C'est l'histoire vraie du directeur de Auschwitz. Et comment c'est filmé c'est Tu vois jamais Auschwitz, mais tu vois juste sa maison. Et c'est un film sur à quel point le directeur d'Auschwitz, il a une vie tout à fait normale. C'est deux heures sur un gars qui a organisé, orchestré la mort de Chevrolet de Puis à quel point il vit bien. Puis il a un beau jardin. Puis il mange bien. Puis son chien est bien, bien élevé. Puis c'est une belle métaphore de qu ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a un peuple qui crève. On vit, on vit bien, c'est une belle journée aujourd'hui. C'est une belle journée, on a bien mm -hmm. mangé, on est de bonne humeur, on, mm -hmm. on consomme de l'or, ça va. C'est ouais. ça, comment je me sens, à quel point c'est horrible, puis à quel point je peux l'oublier pendant peut-être une journée, deux journées. Puis Ça me revient en disant, oh fuck, j'oublie à quel point c'est horrible. Ouais. C'est. Ouais. Qu'on s'habitue pas... à l'horreur, qu'on s'habitue. Ah, oh, ça, c'est la pire affaire. Ouais. On s'habitue à tout. Ouais. Est, on on s'habitue est, on à tout. On est des creatures of habit ». Puis c'est vrai qu'on devient un moment donné moins sensible. Mais c'est. Mais c'est comme. En tout cas, je parle juste en général, les humains. Là, je pense pas que je suis. Moi, je suis pas devenue moins sensible à, à, ce, à ce qui se passe. Mais un moment donné les vidéos à répétition, Un c'est parce que tu veux comme te tenir au courant, mm -hmm. mais au courant c'est juste une nouvelle mort, une nouvelle horreur, un nouveau massacre. Je sais pas, je suis comme. C'est plus emploairible. Je, en je, en je, me, je ouais. me souviens au début du conflit, il y avait, moi je m'étais vraiment intéressé à ce qui, il y en a un hôpital qui était détruit. Bah ben oui. Puis là, le ben, débat. Déboss... <rire> Exactement. <rire> ouais. Le débat, c'est qui a détruit l'hôpital. Ah ouais. oh oui, puis là, les Israéliens étaient comme, oh non, c'est pas nous autres. Euh, qu'est-ce qu'ils avait dit Ah, oh, c'était dans la cour, puis. Mm -hmm. Dans le parking. Parking. Dans le hein. parking. Ouais. Ouais. Moi, j'ai dit ça en arrière, on peut voir détruire l'hôpital, on détruit le parking. Et là, il mm n'y -hmm. a ah, plus ouais, d'hôpital. C'est fou, on est passé d'un débat à, hein. waouh, qui a détruit l'hôpital hein? <laughs> Ça, c'est derrière nous, il n'y a plus d'hôpital, c'est normal. Fou. 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 À quel point ça évolue vite Débattre de, hé, qu'est-ce qui est arrivé si tu plus horrible, horrible. horrible. Puis aussi à quel point personne donne une chance à la Palestine. Mm -hmm. Genre, on sait tous si ça arrête pas ils vont, ils vont disparaître, il y a pas de Mais c'est il... fou. Ouais. C'est fou que ça soit les Israéliens. Comme l'absurdité est folle, tu parlais de, de justement, tu sais, le c'est comme c'est juste le cycle on dirait de comme L'agresseur, mmh. le cycle de la violence, là, mmh. sont littéralement en train de reproduire leur histoire, mmh. mais dans une autre position. Là. Mmh. Comme C'est tellement Anne... humain dans le pire des sens. Anna Rand, qui est une philosophe juive, Elle a écrit un livre sur. Avec le procès d'Aikman, Aikman, une histoire extrêmement courte. C'est un gars qui s'occupait, c'était un nazi, c'était un cadre nazi qui s'occupait d'organiser la solution finale, organiser les camps. Lui il s'arrangeait pour... Moi, je suis vraiment, il était vraiment bon pour mettre plein de juifs dans des trains, et les amener dans les camps de concentration. À la fin de la guerre, il s'est sauvé. Et il s'est sauvé en Argentine. Et c'est le Mossad, la CIA euh, israélienne, qui l'a retrouvé en Argentine, qui l'a emmené en Argentine. C'est le premier nazi qui a été jugée en Israël et elle, elle a suivi ce procès-là. Puis une des choses qu'elle a dit, elle a écrit un, un livre là-dessus. Puis une mm -hmm. des choses qu'elle avait dit, c'est une erreur, je crois que Israël l'a faite. Et ont dit que les crimes d'Eichmann, c'est un crime contre les Juifs. Puis elle a dit non, c'est pas un crime contre les Juifs, c'est un crime contre l'humanité. Faut bien, faut bien mm -hmm. un petit peu qu'on se mm -hmm. C'est un crime contre l'humain. Mm -hmm. Puis je crois qu'elle dit ça parce que c'est super intéressant. Faut mm -hmm. pas pour re pas reproduire mm -hmm. ça. Faut savoir que c'est un crime mm -hmm. contre l'humain. Faut voir qu'on est tous des êtres humains. Mm -hmm. Puis il faut voir sa propre humanité. Il faut voir aussi l'humanité le dans les autres. Ouais. Genre, des fois, c'est horrible de quand on écoute certains discours anti-palestiniens qui ne sont pas, pas des êtres humains. C'est une espèce de... Ben, c'est des animaux. Là. Je dire, ils ont littéralement, ils les ont appelés des animaux. Mmh. Tu vois, j'ai écouté un, un vidéo. C'était juste un genre de speech là, comme d'un rabbi puis il disait carrément, comme, il faut tout, il faut tous les tuer. Mmh. Tous les enfants, tout le monde, il faut les irradier. Mmh. Puis ça, c'est un leader spirituel là, dont on parle. Là, comme. Il n'y a plus, il n'y a pas d'humanité. J'ai vu des femmes, des hommes, des... parler des Palestiniens comme si c'était des déchets, comme mmh. des, des, de la vermine. Je, je, comme. C'est fou, c'est fou de généraliser, c'est fou de cette haine-là. Le pouvoir de la haine mmh. est tellement destructrice. Mais je trouve que c'est ça, quand je disais tantôt, c'est vraiment difficile de continuer à juste vivre puis exister comme sainement. Mmh. C'est aussi le fait que, comme on est en 2024, on a vécu tellement d'atrocités, on parle de guerre mondiale. Puis on a mis en place... Puis, of course, il y a toujours eu des injustices pour la première, mais non. là, c'est un autre fucking niveau. Tu sais? Puis on a une cour... De, on a une cour internationale pour juger, justement, est-ce que, est -ce que ceci est une guerre... Parce que, tu sais, t'as droit... C'est vraiment paradoxal puis ironique cette une guerre illégale. Oui, c'est fucked Mais est-ce que cette guerre-là est légale? Non. Est-ce que si tu conforme? Puis, est-ce que c'est-tu un génocide ou pas? Est-ce que tu intentionnel qu'ils veulent toutes les tuer? Ou comme, ou c'est pas intentionnel, en fond, c'est juste comme, ils n'ont pas le choix parce que la Hamas est là, fait qu'il faut comme un peu qu'ils bombardent un peu partout parce que la Hamas pourrait être cachée, tu sais. Fait qu'on a ces systèmes-là qui sont en place. Puis... Ils ont été jugés, puis personne ne fait rien. Fait pas... C'est comme... comme je ne me sens pas en sécurité. Là. Je ne sens pas que personne devrait se sentir en sécurité parce que finalement, on a instauré des gens, de... on dirait du théâtre. C'est comme pas vrai. Puis même si tout le monde est là, comme l'ONU, même ces votes-là, il n'y a rien qui se passe. Là. Même si la majorité des gens sont comme oui, un hein, c'est le feu il mm n'y -hmm. a rien qui se passe. Ouais. C'est licence, c'est comme il n'y a, a pas de... On ne fait pas suite à ces jugements-là, on ne fait pas honneur, on ne rend pas honneur à, à la majorité, puis à la voix des populations. Tu vois, les grandes manifestations partout dans toutes les grandes villes, c'est incroyable, les soulèvements populaires. Puis, on le sait, ce n'est pas nouveau, mais c'est vraiment enrageant dans un moment où tu es témoin au quotidien ouais. de, de la disparition de ton peuple, qu'en parallèle tu sens plus que jamais que les dirigeants s'encolisent mais comme fois mille mm -hmm. de ce que la population veut. puis après ça bien sûr il y a des gens qui pensent pas comme ça puis je comprends pas comment tu pourrais être Pro-Israël à ce point-ci, pour être honnête. En tout cas, je m'en fous. Comme je honte 100 ce que je dis. Comme comment est-ce que rendu à ce point-ci, je ne parle pas, on n'est pas le 8 octobre. Là. Mm -hmm. là, on est au mois de mars 2024. On ouais. est ailleurs. Là. Ouais. On n'est plus là. là. Puis Je suis pas en train de dire quest ce qui s'est passé cet octobre. C'est correct. C'est un cauchemar. C'est une horreur. Mais c'est pas comme ça. T'sais, là, clairement, ils ont profité de cette porte-là pour faire leur plan qui ont c'est le plan depuis toujours. C'est juste le, ça qui attendait. Le, 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 mais le premier ministre Netanyahou, il est là plus longtemps, est oui. il depuis longtemps. Puis oui. c'est un discours qui tienne depuis longtemps. Oui, c'est malade. Puis ce qui fout fou de Netanyahou, c'est que cet été, il y avait des manifestations mais en oui. Israël pour le tasser. C'est un, un homme coup, corrompu. Oui. C'est un homme qui a changé la, qui veut changer la, qui a changé la Constitution, ouais. qui a changé les cours. Il est l'extrême euh, est... droite. Ouais, c'est un... oh, oui, pas le, le plus légitime. Là. Mais non, c'est le pire. Il allait se faire tasser. Puis la seule raison, mais il y a beaucoup de théories qui disent que la seule et unique raison pour pour laquelle il prolonge autant cette guerre-là, c'est que quand elle arrête, il s'en va en prison. Mmh. Là. Comme il est vraiment dans Mars, ce gars-là. Puis pas par rapport à la guerre, juste d'autres shit qu'il qu avait corromptu. fait avant. Il est extrêmement moi, il corrompu. C'est le pire d'où. Puis... puis c ouais, c'est comme... C'est fou. Je, je ne comprends pas que en 2024, en mars 2024, tu peux encore penser que c'est légitime ce que Israël est en train de faire subir au peuple palestinien. C'est... Ils sont, il y a 1,1 million d'habitants à Gaza en ce moment qui sont en grave danger de mort liée à la famine. Mmh. T'as un siège. T'as un siège. C'est comme, c'est juste fou. J'ai tellement honte de, de, de l'Occident. Je suis genre dégoûtée. Pis, ouais. Puis ouais. tu es d'accord que ce qui, aussi, ce qui est déprimant et qui est triste là-dedans, c'est je la vois pas la solution ben non, mais... ce qui est triste je veux dire quand je ne sais pas si je la vois pas mais je la quand je la vois pas c'est ouais. pas qu'elle existe pas mais ouais. je la j'arrive pas avec mon avec mon imagination ma créativité ah tel événement va se produire tel tel événement va se produire et ça va mieux aller il y, y a de quoi dans l'horreur il n'y a pas de fin à cette horreur là mais est-ce que tu as comme mettons dans le sens que tu ne crois pas qu'un idéal va être atteint ou qu'une solution va être atteinte ou tu ne vois juste pas comment c'est possible. Je, je crois qu'ils vont arriver à leur fin. Je crois que c'est ça. C'est ce qui me fait autant de peine. Mm -hmm. C'est que ça fait longtemps ce conflit depuis que je suis né, qu'il existe. C'est la mm -hmm. première fois que je me dis Oh, c'est peut-être peut la fin. Là. Ben, si, si les gouvernements qui cautionnent mm -hmm. ce génocide-là ne changent pas. L'opposition, oui. Oui, c'est ça qui va arriver. Mais je ne peux pas perdre d'espoir comme. Mais en même temps, il n'y a plus d'espoir à avoir quasiment. Tu sais, c'est fou. Même... Je me disais, OK, c'est l'année. Biden, c'est l'année électorale. Mm -hmm. C'est en novembre. Genre, ouais. il y a beaucoup du démocrate base qui n'est pas dans avec la position de Biden. Mm -hmm. Puis euh, beaucoup de noirs aussi qui est en train de... Arabe? Oui, ah, ben arabe! Mais... On, a, on a discuté à, à coup au Michigan, un État super, un État clé là, pour ouais. gagner le, la présidence, parce que c'est un État qui vote des fois bleu, des fois, des fois rouge. Une des raisons pour lesquelles pass... il il ça a été bleu il y a, il y a quatre ans pour Biden, c'est que les Arabes... Mus... Les, Arabes mm. et les, les musulmans ont voté pour Biden. Peut-être que les musulmans ne votent pas pour Biden pour la prochaine élection, puis c'est euh, Trump qui va rentrer. c'est ça l'affaire! C'est ça qui est pas... débile! Et Trump, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais c'est ça, Trump... Je pense qu'il est, est imprévisible. Mais j'ai aussi un feeling, puis c'est tellement je... capoté de dire ça mm -hmm. de Trump, mais j'ai aussi un feeling que... Parce que Trump, pas, il veut pas être la bitch à personne. Puis en ce moment, Biden, il est pas en train de dire à Netanyahu genre, « Arrête, or mm -hmm. else. » Grave conséquence pour Israël. Le rumeur, mais... c'est qu'il dit dans, dans le privé. Mais tu sais, ouais. ça serait le fun qu'il dise en public. Ouais. Mais c'est Trump je pense qu'il voudrait tellement pas avoir de la bitch à personne que je pense que peut-être qu'il y aurait plus de chances qu'il fasse de quoi pour arrêter. Puis c'est fou même de dire ça, c'est fou que ça soit nos fucking options. Mmh. C'est soit le psychopathe genre qui va peut-être être dans ce cas-ci moins un psychopathe que l'autre psychopathe puis qui va peut-être faire en sorte que c'est un gros si. Il y, a un une, gros il y a une campagne oui. électorale, puis il risque de poser sa question pour le savoir. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir, mais tu sais considérant sa position avec la Chine, il n'aime pas ça là, quand il y en a un autre qui a plus de pouvoir que, que lui. Mm -hmm. puis, I don't know. Je serais curieuse de. Je serais curieuse de voir, mais c'est ça, je me suis dit peut-être avec les, les élections qui arrivent, peut-être qu'il y aurait peur, Biden, peut-être qu'il mettrait plus de pression. Puis il en, il en met plus, mais pas assez. Ouais. Puis, tu sais, fait que qu'est-ce qui va se passer? I don't know, mais c'est... En tout cas, Justin, man, moi, plus... ouais. je suis plus... Je l'aurais laissé aussi. Une joke. <laughs> je sais pas si elle qui l'a laissé, mais en tout cas... Mais ouais, c'est triste, man. C'est pas une belle... Comment tu trouves ça, toi, comme vivre dans un moment où... C'est ça, notre réalité, mettons, comme t'es-tu... Comment... Je sais, ça a toujours été des cauchemars, là, depuis mmh. qu'on est. Mais... le, 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 le mon, mon secret pour. Parce que je, je constate que je suis quelqu'un de très heureux. Je ne suis pas dépressif, mmh. je suis plus anxieux. Mmh. Je suis plus anxieux que ouais. dépressif. Et mon secret pour être de bonne humeur, c'est me concentrer sur les choses qui sont près de moi oui. et que je peux contrôler. Ouais. Par contre, ça, à long terme, ça fait que tu t'isoles puis tu deviens cynique. Puis tu fais. J'ai de pouvoir sur rien. Puis je pense que dans la vie, c'est important d'ouvrir ouais. ses esprits. Ouais. Que, comment je vis par rapport à ça? Quand je vois des choses, plus, ça, plus je sens qu'il y a de l'horreur, ouais. plus je me concentre sur ce qui est beau autour de moi. Fait que plus, je, plus je travaille, ouais. j'augmente mes heures de travail, euh, je passe plus de temps à parler à mes amis. Moi, ouais. c'est ce euh, très paradoxal, mais quand il y a des événements comme ça, ouais. je prends le temps de dire à mes amis que je les aime, je prends le temps de dire à ma famille que je ouais. les aime, je prends le temps de mieux manger, je prends ouais. le temps de boire de l'eau. C'est aussi con que ça. C'est horrible bon. ce que je vais dire, non, mais depuis que, bon. que ça, je bois plus d'eau parce que je veux me sentir mieux, parce que je me dis que. Ça mine, fait que j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler. Ouais. fait que c'est comme ça que je passe au travers. Mais oh. c'est quand même horrible et très ouais, ouais. Mais on peut pas aider les autres si on n'est pas nous bien. C'est pour ça aussi que je suis partie là, récemment personnellement. Je n'étais plus capable d'être à même. Je ne sais pas, j'avais besoin juste ouais. de changer. Oh, tu t'sais, t'sais, mais moi, je suis fasciné, par... obsédé... fasciné, fasciné par la guerre de sé... sécession américaine. Puis Abraham Lincoln, qui était président à l'époque, président, euh, président de l'Union, euh, président euh, du Nord, il avait la pire vie. Pendant la guerre, un de ses fils est mort. S'il s'était dit, ah, mais mon fils est mort, puis il faut que je me concentre sur moi, puis il faut que je lise plus, puis il faut que je boive plus d'eau, il n'aurait pas gagné cette guerre, il n'aurait pas changé mm -hmm. l, la vie de tant de gens. Mm -hmm. fait que mais c'était peut-être je... un « driving force aussi. En je ne sais pas, comme le greater good, c'est Par contre, Abraham Lincoln, il avait plus de pouvoir qu'une deux là. Oui. Il faut juste le... mentionner ça. Peut-être que je le compare à là, j'en vois plus. Légère. Mais ben oui, je ne sais pas. Je pense, je pense que c'est un mix, tu sais. Je pense que tu ne peux pas te délaisser complètement. Il faut que tu prennes soin de toi. Sinon, tu ne rien. Tu ne peux pas être une voix positive. Tu ne peux, peux pas propager de l'information. Tu ne peux pas être là pour tes amis, tu peux pas être comme... avoir un impact, parce que le plus grand impact qu'on a, c'est souvent dans notre entourage direct. Fait <laughs> tu sais, il faut que tu prennes soin de toi, mais en même temps, ça veut pas dire d'arrêter de s'informer, puis d'arrêter d'être conscient, puis d'avoir une opinion claire par rapport à ce qui se passe, puis de se nourrir d'informations, puis de juste, comme... Ouais, être capable de, comme verbaliser ou vocaliser ton, ton opinion quand elle a le besoin de l'aide, puis de supporter ce peuple-là primé, comme... Mais je pense à la base, il faut faire attention, tu sais, c'est ça, je me suis dit à un moment donné, tu sais, je postais beaucoup au début du conflit, puis à un moment donné, j'ai juste, comme, réduit, parce que... Ouais, j'étais juste en train de sombrer. Puis je suis comme, ah, ben, je sais rien, c'est un moment donné. Si ça moi, je me clenche, je, je peux plus rien dire. Est-ce que y a <laughs> est des journalistes pas. qui t'appellent pour que il tu. En as... a, il y en avait beaucoup au début, puis ça m'a tout de suite vraiment refroidie. Je me sentais comme un token, comme mm -hmm. un token palestinien. Il n'y a pas beaucoup de Palestiniens. C'est la seule que je connais. Je, je suis la seule que je connais. <laughs> je le fais. À part ma famille, oui. <laughs> <laughs> à part ma famille, je suis la seule Palestinienne que je connais. Puis, fait que, tu sais, il n'y a pas une. T'sais, je parle comme dans les peut-être les personnes comme, qui ont une tribune ou il mmh. y en a pas beaucoup fait je trouvais ça cool mais en même je trouvais ça cool qui m'approche, mais en même temps je me sentais très comme ouais je me sentais comme ouais comme token un mmh. peu puis je trouvais ça vraiment inconfortable mais pourquoi je sais pas pourquoi c'est dur à expliquer j'étais comme j'avais l'impression qu'il voulait un pity story, comme un sad story, un sub story, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il voulait que j'aille raconter mon truc puis ça soit dans triste. j'ai comme l'impression qu'il voulait comme une histoire, une histoire triste à raconter mais j'étais pas triste, j'étais enragée puis j'étais pas ben, j'étais triste mais j'étais surtout enragée puis j'étais pas capable de j'avais peur de d'être trop émotive pour m'exprimer correctement aussi, fait pour toutes ces raisons-là, je l'ai comme pas faite mais j'ai utilisé ma tribune pour en parler. Mais tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu sais, ma mère, elle, elle a vécu une vie vraiment difficile en Palestine, puis quand elle fuit fui le pays, ben, elle n'est elle pas, par, pas partie avec comme cette mentalité-là, parce qu'elle était orpheline aussi, fait qu'elle n'est pas partie avec la mentalité comme elle n'a jamais été anti-juive, pas du tout, mm -hmm. puis ma mère était tellement chrétienne est tellement croyante qu'elle est juste... Elle veut juste la paix dans le monde. Comme il n'y a pas d'autre façon de dire. Qui est, ouais. la... Qui est la philosophie et l'idéologie de bien des gens. Ben oui, puis je pense la à... Oui, puis c'est pour ça. qu'elle a beaucoup de misère. À comme... Même au début, de... de... on va dire, du conflit, vu que c'était comme la première semaine. Euh ouais c'était comme euh, était pas c'était tough pour elle de gager, tu sais euh, même quand elle commençait commencé à... même que c'était dur j'étais comme plus enragée qu'elle mm -hmm. à certains moments parce qu'elle est tellement dans cette idéologie là chrétienne de comme il y a pas de mal et de bon mm. c'est juste le diable qui prend possession de ces gens là puis c'est c'est pas de leur faute c'est le diable mm. le diable comme c'est lui qui contrôle tout, il veut diviser. Fait que c'est comme. Il y a aussi cette espèce de déresponsabilisation-là quand tu es beaucoup dans l'idéologie religieuse chrétienne, en tout cas. C'est quasiment comme pas de ta faute, c'est l'esprit du mal. Fait que c'était comme dur, des fois, d'avoir des conversations euh, plus concrètes par rapport aux actions concrètes que tel gouvernement ou tel gouvernement euh, euh, posait. Parce que c'est tellement comme. Rien de notre faute dans le fond, c'est mm -hmm. juste comme qu'il y a des... des esprits qui nous contrôlent. Mm -hmm. puis... puis là, ce serait comme. C'est le diable, c'est exactement ça qu'il veut. Il veut nous diviser, puis il veut nous détruire en mm -hmm. genre. Fait Tu arr as arrêté d'en parler avec elle? Parce non, j'ai pas arrêté. Okay. Parce que j'ai été. Non, elle était vraiment. Bizarrement, comme. Ma mère ma est extrêmement forte, puis elle était comme plus là pour moi. Puis, tu sais, j'étais, je l'appelais tous les jours, on se parlait beaucoup, elle, c'était très tough pour elle, mais elle, a écrit, elle va comme écrire des pièces de théâtre, puis composer des chansons. Wow! Ouais, <laughs> quand, quand ça, comme vraiment overwhelm, tellement spécial, ma mère, là, je, je l'adore. Puis, fait que je pense qu'elle, elle avait son histoire, puis on en parlait, on parlait beaucoup, mais je pense qu'à, ouais, on a eu des super bonne conversation euh, mais je pense qu'il y a quelque chose que tu elle, elle, elle a le elle a pas vécu c'est tu sais moi j'ai vraiment un détachement pas un détachement c'est c'est vraiment pas ça bon moi en fait c'est une arac... déconnexion c'était moins raciné qu'elle ben, c'est ça exactement il y a comme une, une déconnexion culturelle même si j'ai été par... élevé par une mère palestinienne dans la... d'une culture euh, chrétienne euh, avec des valeurs chrétiennes, des... puis l'histoire et de la culture arabe chez moi, c'était ça. Là. Quel mélange. T'sais, oui, fait, mais dans... Ah, comme Gatineau, Québec. <rire> <t'sais>. <rire> Quel mélange. Tu sais, puis ouais. comme... fait J'ai été élevée de cette façon-là, j'incarne ces valeurs-là, j'ai imbibé ma mère comme je, on se ressemble tellement, et physiquement, et euh, philosophiquement. C'est sûr que m'a comme rentré la religion dans la gorge comme vraiment jeune fait que moi j'ai rebellé puis, puis la religion ça a jamais fait partie de ma vie mais je suis je pense que j'ai comme spirituelle mais pas religieuse je suis très spirituelle mais je suis pas religieuse exactement comme je crois pas à l'église mm -hmm. mais je suis très 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 chanceuse d'avoir une mère qui m'a élevée avec les valeurs euh, de la religion catholique parce que bon en tout cas la majorité d'entre elles les autres sauf que j'étais pas dans je sais pas mais mettons comme la majorité je trouve on paper c'est des très 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 belles valeurs ah oui. tu sais mais aime ton prochain partage ton... ta richesse ouais, vole pas c'est bien ouais, c'est <laughs> pas c'est bien mais tu sais c'est ça fait que oui il y a eu des belles conversations mais mais c'est ça je pense qu'il y a comme cette histoire là de déconnexion c'est que moi j'ai déjà voulu aller en Palestine j'animais une mission de télé puis on allait dans des endroits où il y avait comme un avant, un après, comme une cassure. Genre Détroit, je pense? Genre Détroit, euh, de la Nouvelle-Orléans. Euh. Puis là, pour la deuxième saison, on avait parlé d'aller à Israël et en Palestine, puis d'amener ma mère. Puis j'étais tellement… j'ai tellement peur parce que ma mère m'a toujours… Tu c'était pas comme « Oh, j'ai hâte que vous… » Tu sais, elle, elle me parle de son pays en bien, mais elle n'a pas tant a Jamais eu tant envie qu'on y aille en gang. Puis, tu c'est comme pas les belles souvenirs. Puis, mm -hmm. tout, presque toute ma famille est morte euh, qui est là-bas. Fait, fait que, fait que c'est comme. J'ai dit, j'ai dit, maman, tu ça serait payé en plus, comme imagine, tu sais. Puis, les Arabes, ça veut toujours un bon deal. Puis là, <laughs> pis là, était comme. Tu sais, sa réponse, j'étais comme excitée parce que je me suis dit, si j'y vais avec quelqu'un, je vais y aller avec maman. Parce que sinon, honnêtement, j'ai peur. Puis j'étais comme pas à l'aise d'y aller tout ça j'ai tellement eu de été nourrie d'images comme euh, pas nice mettons de la Palestine fait euh, mais pas pas nice mais inconfortable mmh. puis épeurante. Euh, fait que ma mère quand j'ai dit elle, elle m'a vraiment répondu j'ai dit hey on pourrait y aller on pourrait y aller ensemble ça serait payé pis tout puis elle m'a regardé puis était comme pourquoi on irait là genre c'était vraiment ça sa réponse puis je suis comme mais mamie je j'ai jamais été en contact avec ce lieu-là. C'est la moitié ou le trois-quarts de qui je suis. Je, je, je veux le vivre. Je veux me connecter avec ça. Je veux, je veux je veux rencontrer les gens qui me ressemblent. Je veux découvrir la culture sur le terrain. puis, puis C'était juste comme pas... Je pensais trop de PTSD. Trop de, de mauvais souvenirs. Fait que... C'est ça. Fait que quand je regarde la situation actuelle, je suis comme, ah ben... Je vais peut-être jamais pouvoir mm -hmm. me connecter avec une des choses qui fait en sorte que je suis qui je suis, tu sais. Mm -hmm. Une des grandes choses qui fait en sorte que je suis qui je suis. Puis il y a quelque chose C'est comme un deuil, ça, vraiment. J'espère que c'est pas vrai. Puis j'espère, je que c'est pas vrai, mais how things are looking en ce moment, ça augure pas bien. Mm -hmm. Puis, il y a quelque chose de très weird là-dedans, de comme... « Ah, cette partie-là de moi, j'ai toujours eu un inconfort, puis un, une curiosité énorme, puis un manque, là, un trou, genre. Ben, je veux tu un jour pouvoir sentir cette connexion-là ailleurs que directement avec ma mère? I don't know maintenant, Est-ce que des fois, tu veux parler à d'autres Palestiniens qui sont au Québec ou au Canada? -ce que... 100 euh, 100%. Puis, tu sais, il y a comme des groupes qui se sont formés pendant les, au travers des manifestations, puis depuis ce qui se passe. Puis, je parle avec plusieurs Arabes. Euh, ça donne juste que c'est pas des Palestiniens. Euh, c'est une cause qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup le monde arabe. Là, je... Ben oui. oui. Ben oui, parce que. Ben oui. Mmh. Mais tous les peuples opprimés, tous les peuples qui, qui se sont déjà sentis écrasé, opprimé devrait se sentir et se sentir interpellés. Je veux mm -hmm. dire, c'est pour ça aussi que Biden va probablement perdre comme beaucoup de votes noirs aussi. Je veux dire, comme, ils il se reconnaissent, là. Mm -hmm. Je veux dire, n'importe qui, qui 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 se sent comme second class citizen mm -hmm. ou qui a un historique de ça dans, 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 dans ton background, se sent 100 touché par ce qui se passe en Palestine. Tu sais. C'est carrément ça. C'est... Ils se font traiter comme des citoyens, ben c'est même pas des citoyens, des animaux. Non, ils se font traiter comme des animaux, puis comme s'il y avait aucune valeur. Ils se font pas traiter comme, comme des humains. Puis il y a beaucoup de gens autour du monde qui se sentent de même en ce moment, puis qui se sentent interpellés. puis nos dirigeants sont juste pas à l'écoute du tout de ces sentiments-là, de la majorité des citoyens du monde, je pense, en ce moment. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est cool, notre conversation. Pour vrai, oui. <rire> Pour <rire> vrai, oui. <laughs> c'est cool. Oui. <laughs> Moi, j'ai adoré. Mais je suis C'était-tu trop lourd? Je vais te dire ce que j'ai dit souvent à cette show-là. <laughs> si t'es pas content, pu sur pause, t'écoutes ouais. autre chose. Ouais. On met ça dans la gorge de personne. Non. T'as pas envie d'écouter. Et puis en plus, comment je dire. Me sens pas mal... Je suis tellement content d'en avoir parlé. Mais tu sais, je pense ouais. que c'est intéressant. C'est cool d'avoir ton point de vue. C'est cool que ce, soit... que ce soit sur Internet. C'est cool d'entendre. On entend rarement ce discours-là. Aussi, c'est un discours qui est très calme. C'est rare qu'on entende un discours calme par rapport à ça. Puis c'est pas une critique, hein? Je peux ouais. comprendre. Je, non seulement je comprends, mais je cautionne quiconque parle de cette cause-là avec rage et avec force. C'est tout, tout à fait adéquat. Ouais. Puis tu l'as bien fait. Je pense que je vois beaucoup de gens enragés en ligne. Beaucoup de gens, tu sais, blancs, euh, de toutes sortes d'ethnicités, mais surtout blancs, enragés par ce... Ce qui se passe en, en Palestine, je suis contente, je suis très contente qu'ils gardent le discours euh, vivant, je suis très contente qu'ils s'affirment, euh, mais je pense peut-être que la raison pour laquelle il y a comme une rage qui file comme nouvelle, ou je pense que je pense que c'est parce que c'est nouveau pour eux, je pense qu'ils ont juste pas été élevés avec cette. En tout cas, je, je parle, je veux pas généraliser. Mais je répète mais... Mais... ce que tu as dit au début. Ouais. Les images. Ouais. Avant, c'était des concepts. Ouais. Avant, c'était « Ah, tu il semblerait que dans une partie du monde, il y a un peuple oui. qui ont right. été tassés. Right. » là, quand tu dis « Tu sais, ça, c'est plus intellectuel. » et quand tu vois oui. des images... C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Hein. Au Vietnam, ouais. une des raisons pourquoi il y a autant de manifestations, c'est qu'il y avait des images à la télévision de gens 100%. Qui... vietnamiens, américains ouais. qui mouraient. Il y avait des crimes de guerre Les les ouais. gens étaient enragés. Ouais. Ils l'ont pas fait en Irak. En Irak, ils ont pas envoyé ouais. de journalistes. Il y a pas d'images. Fait que la rage était moins forte. Il y avait des manifestations, mais... fait que... J'entends ce que tu me dis, ouais, ouais. je comprends que si tu vis à Jonquière, que le soudainement, là, tu partages plein de trucs sur la Palestine, mm -hmm. d'où ça sort. Je comprends ça, ouais. mais les images sont quand même… c'est oui. difficile ah, de rester 100 silencieux. Pour... 100 mais je disais plus ça par rapport à… je pense que c'est que peut-être tu es dans l'émotion comme brute de l'affaire parce que c'est quelque chose de choquant. Mm -hmm. Mais quand tu connais ce peuple-là, puis que tu, tu, tu connais leur histoire, puis que tu le vis depuis longtemps, puis que tu. C'est pas une, de la nouvelle information. Peut-être que tu n'es pas dans l'impulsivité, comme dis C'est juste comme. C'est quand même quelque chose qui est arrivé de manière cyclique, moins pire que là, mais quand même. Fait que je suis. Non, c'est un étau qui se resserre. Ouais, exact. Fait que je suis peut-être pas comme dans la rage, comme, comme si je venais d'apprendre mmh. la nouvelle. Ouais. Je pense c'est ça la différence. Je comprends. Mais veux pas au début mettons, on parle octobre novembre et tout ça c'était ouais ouais je pleurais plusieurs fois par jour à chaque jour c'est moins de la rage c'était juste de la pure tristesse parce que je sais que la rage peut être un véhicule de changement mais je sais aussi que la rage peut créer d'autres divisions ouais. puis je je personnellement c'est pas le chemin que je souhaite comme euh, emprunté. Parce que je pense que, weirdly, quand tu es tellement en colère, puis là, tu deviens en colère envers peut-être les gens qui partagent pas assez de vidéos de bébés morts ou qui partagent pas assez d'informations sur les génocides. Puis je les comprends. Je comprends cette rage-là parce que je, je, je l'ai la, je vécue aussi à plusieurs mm -hmm. moments. Mais ce qui arrive, c'est que ça crée encore plus de division, tu sais, entre nous. Puis cette division-là, c'est la dernière fucking chose qu'on a besoin en ce moment. On a besoin d'être unis autour d'une idée, puis cette idée-là, c'est de sauver le peuple palestinien à tout prix. Ouais. Tu sais, fait que toute forme de, de colère ou de haine envers. Qui, 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 que ce soit. Main, qui que ce soit. En, Envers qui que ce soit. Mais comme envers les autres qui sont aussi heartbroken par la situation, je vois pas l'utilité, pour ouais. être honnête. Il y a une utilité à la rage, mais je pense qu'il y, y a un danger, puis c'est la division, comme. C'est d'aller plus vers la division, puis une division comme... qui va nous éloigner du but, puis qui va créer de la honte chez certaines personnes, qui va faire en sorte qu'elles vont avoir encore moins envie de se prononcer. Puis il ne faut pas créer de honte, parce que tu ne peux pas tout savoir, puis tu ne peux pas être éduqué par rapport à, à, à toutes les, spécific les spécificités de ce de ce conflit-là. Il est complexe à ah, la base, dire, dans le passé. Juste dire à quelqu'un c'est quoi la Palestine, c'est une longue réponse. C'est une très longue réponse. Mais après ça, j'encourage tout le monde à s'informer, à s'éduquer. Mm -hmm. Point final. Mais euh, il faut faire attention pour ne pas shamer les gens. Parce que ce cycle-là de shaming... Tu ne peux pas shamer quelqu'un jusqu'à temps qu'il care. Ça n'existe pas. Je comprends. C'est comme... Sentir coupable ton ex de t'avoir laissé. Tu veux pas qu'il revienne avec toi parce qu'il se sent coupable, de... il t'aime pas plus. C'est comme... pas comment? comme Alors... si une métaphore douteuse, mais Alors... c'est quand même ça, tu peux pas. Tu peux pas chémer quelqu'un jusqu'à temps qu'il care. Ça se passera pas. Tu peux encourager les gens à s'éduquer, puis tu peux partager de l'information, puis toujours garder le discours comme actif, puis en parler avec tes amis, en parler avec ton entourage, mais, mais créer de la honte chez d'autres parce qu'ils partagent pas autant de vidéos sur Instagram que toi. C'est C'est l'absurdité des temps modernes, mais, mais je pense que c'est pas la solution vers l'unité. Je pense qu'en ce moment, il faut rester fort, il faut rester uni. C'est ouais. très bien dit. <laughs> yeah! C'était <Yes! rire> incroyable! C'était vraiment une bonne conversation! C'était incroyable! Toi, t'es incroyable! Juste avant, tu fais de l'art. Ouais. <laughs> c'est vrai? Tu oui, fais de l'art. Où la trouve vous ça. ton art? On trouve. Euh, J'ai euh, un petit espace sur la rue Saint-Hubert, au 6534 rue Saint-Hubert. Puis c'est un petit espace qui est devenu un peu plus comme une galerie récemment. Fait que je suis vraiment into des toutous thérapeutiques en ce moment pour nous aider avec notre anxiété. Puis aider les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, les gens qui vivent des situations post-traumatiques. Euh, des gens qui vivent de la solitude on est dans une épidémie de solitude en ce moment qui il faut vraiment prendre soin de nous il faut vraiment faire attention pour pas trop s'isoler puis des fois Peut-être par incapacité de vivre de l'intimité ou par. Avant juste... de se tromper. À... À... Avant de se tromper. Puis on se trompe tout le temps. Oui. J'ai j'appelle la fac, je trouve ridicule. Ah, c'est simple. 50% des <laughs> choses qui sortent de ma bouche. <laughs> Mais tu sais, la vérité, c'est qu'on a besoin d'une présence. Puis je sais pas, je crois fortement qu'on donne du sens à ce qu'on veut donner du sens dans vie. Puis je pense que. Ben, j'ai comme commencé à créer des personnages qui, pour moi, font beaucoup de sens. Puis je pense qu'on pourrait donner du sens à une, une tasse là, ou à, à un jug, mais ça donne que les toutous, ça a comme une connotation, une, pr une présence euh, mystique qui déclenche quelque chose dans notre imaginaire. On, on est beaucoup liés à ça dans mm -hmm. notre enfance, c'était nos amis. C'est charnel, c'est de l'art charnel, oui. c'est très rare. C'est drôle parce que tu as à faire de, ouais. de l'art visuel Oui. La première chose qu'on apprend, je l'ai fait, je l'ai donné à ma fille, touche pas à la toile, touche pas. Puis, sur ce bon que tu es passé, de touche pas à mon œuvre, tu peux la prendre, tu peux la toucher, tu peux la mettre dans ta bouche, tu peux l'arracher. ouais 100 T'as raison, c'est un bon point. Ce cool aussi notre tutu, c'est que le tutu d'un va pas ressembler à l'autre par rapport à comment il manipule, comment il sert. 100 Puis, ils sont tous légèrement différents parce qu'ils sont tous fabriqués à moyen. Fait que à la main. Puis, ils sont tous, tu sais, uniques. Fait c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de sens à ma vie en aimant ces temps-ci. C'est comme... Moi, je l'ai vécu. Je... Moi, je dors avec Kinzu le nouveau toutou, en ce moment. Puis ça me fait vraiment du bien. Puis ça apaise beaucoup ma solitude. Puis... Ouais, j'y crois. Je crois qu'on me... on donne du sens aux choses auxquelles on souhaite donner du sens. Puis pour moi, ce toutou-là, il fait beaucoup de sens. Puis j'espère qu'il va faire du bien à beaucoup de monde. Ouais. Yeah. Yes. Et <laughs> Vive la Palestine libre. Vive la Palestine libre.